chaud, bro. Ouais, normal. La plus, on vous le dira, mais pour le moment, il me semble que j'avais vu les trucs de téléphone. Oh, salut les gars! Dani, le téléphone? Ouais, c'est bon, pas besoin de les prendre. Ouais, ça travaille, je vois. Hey Wayne, ça va ou quoi? Salut, ça va, Ouais, toi? ça va, je me Salut! réveille tranquille. C'est pas ça que je veux faire. Oh non, oh, j'ai planté. Deuxième fois. Allez, hop. Classic shit. Faut pas faire ça. Le double truc là, le double menu, il kiffe pas. Tatam. Ta gueule. Ma chambre. Ah mais à chaque fois ça me met celle-là du coup. Ouais, peut-être pas. Et bonsoir Wayne Radio. Hey, salut Wayne. Wayne. Bonsoir Wayne. J'étais derrière avec le pare-balles et je l'ai pas enlevé. Agitation. Encore dans le car là-bas. Je suppose le lion en tête et le Carcara enfin. Ouais. Ça va me permettre de cadencer un peu. J'allais te demander si t'as besoin d'un Dubsta, mais vu qu'il y en a un stand-by, je suppose que non. On va changer les véhicules, les Dubsta, ça va pas dégager un peu. Ouais. Ok, d'accord. De toute façon. Lions, là, pépite. De quoi? Les lions, c'est une pépite. Ah ouais. Encore beaucoup à remplir. Très bien. Ouais. Du coup, je pourrais reprendre le mien pour m'en servir au quotidien si j'ai envie. C'est à voir. Ok, ok. De toute façon, je m'en sers pas spécialement. C'est pas un véhicule que je kiffe. Je vais aller voir. Les personnes en prennent sur eux. Je vais aller voir Omorito, voir si Sinat va bien, tout ça, tout ça. Vas-y.
m'occuper de mon nouveau rôle un peu. Kayla, j'en ai pris sur moi. Ouais. J'en ai sur moi aussi. Johnny aussi. Ryan aussi. Chier par contre. Ok, vous annoncez pas tous radio, mettez-vous près des véhicules et on fera un lever de bras, ce sera plus simple. Ça c'est bon, ça c'est bon. Comme ça. Qui a pris les 10 téléphones? Savoir si je les prends ou pas. Oh. Ok, nickel. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. T'es dans le jus un peu? Ouais, là, je suis en train de servir plein de gens, là, donc... Ok, je vais venir au Morito pour la soirée. Ok, ça marche. À tout de suite. À tout. Dani? Ouais. Il est pas là, Tommy, ce soir? Je sais pas, non, je crois okay. pas. Ok. Il y a Arthur? Oui, il est là. Il est là au manoir ou il est là en ville? Ouais, il est là en ville, là, il a été en rendez-vous et il revient d'ici une demi-heure. Ok, je vais voir si je peux l'appeler. Est-ce qu'on me reçoit? Ouais, on te reçoit, c'est bon. Ouais, reçu, ouais. Du coup, je prends les 50 ou pas? Ouais, c'est chaud là. Il nous manque 3 personnes avec 50 normalement. Donc, ouais, faut que vous en preniez. Ouais, ok. Bon, ben, je sortirai après alors. Attention, je vais sortir par l'entrée parce que la sortie est bouchée. Ouais, Adam. Ouais, Wayne. Ouais. J'ai pas besoin de toi. Pourquoi? T'es où? Je suis au niveau de l'autoroute. Envoie-moi une pause, j'arrive. Ouais, je suis armé. Okay. Ouais, vas-y, envoie-moi une pause, je vais arriver. Merci, merci. Dany, on t'attend et on décolle. T'en as pris 50, Dany, ou pas? Non, parce que je savais pas. Ne les prends pas, ne les prends pas. Tous ceux qui sont disponibles au véhicule en tenue. Départ non, 50. On arrive me chercher, j'arrive. Un conseil, couper les moteurs pour éviter la perte d'huile. Oh non! Oh, je l'ai fumé là. Allez, descends. Hop. J'ai plus d'argent, ok, super.
chier, putain. Éteignez vos moteurs, s'il vous plaît. Ça va aller ta voiture? Ouais, c'est bon. Merci, hein. Désolé. T'inquiète. Non, je ressors plus là. Non, vas-y. Dans les deux rumpos. Ok, j'arrive maintenant. Ok, tu t'armes avec un ADP, tu monteras dans le deuxième rumpo. Reçu. J'espère que ça va aller en tout cas. Quoi? J'espère que ça va aller en tout cas la voiture. Putain, il t'est arrivé quoi? Ah, rien, j'ai pas vu un mur. Putain. On va dire que je m'arrête pas là.
et de se mettre devant, entre la voiture et là où je voulais aller. Ah, putain, les murs, l'enfoiré. J'ai la direction qui part en couille aussi un peu, elle tire. Ah bah oui, avec un mur en face de toi, ça ouais, du coup, ouais, du coup ça tire. Dis-moi, il y a le mec avec nous, la facture. McCarthy. Besoin d'épeler ou tu veux ma carte? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Bon, c'est calme ce soir, on dirait. Ouais, ouais, là, pour l'instant, c'est bien calme. Ouais, des fois, c'est pas plus mal, mais là, il commence un peu à m'ennuyer, à m'endormir sur place. Je peux comprendre, ouais. Ah, puis là, il attend mon patron pour avoir ma prime et acheter ma voiture. Ah, vous avez déjà ajouté votre dévolu sur quelque chose? Ouais, encore le 4x4, un Hélion. Ça va okay. Très bien. Ça suffit pour le travail et c'est bien pour le noir. Il paraît ouais, que c'est un bon véhicule. Ouais, et puis il est pas très cher, 55 000. Il me resterait 100 000 pour le custom. Putain, ça paye bien, mécanois. Oui, mais après, il veut pas te mentir, on fait des horaires d'enculé. Hein. Ouais, je sais, ouais. Je suis là à 11h du matin, je vais dormir, il est 3h, donc... Ah oui, ouais, ouais, ça fait des sacrées journées. Ouais, mais après, ouais, voilà, c'est mais un après, du coup... bien, donc... C'est le principal, hein. Puis après, travailler pour la Plata, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il y a des jours où j'ai pas trop envie de parler avec les clients. Enfin, il y en a certains, j'ai pas envie de parler avec eux. Ouais, c'est normal. Attendez, d'ailleurs, je... rien à voir. Je vais retirer, je vais profiter de votre ATM, là. Ouais, allez-y. On va tirer un peu de... Oula. Vous avez pris le pont ou vous êtes monté? On a pris le pont. Et une fois que vous avez pris le pont, vous allez tout droit, vous tournez pas à droite. Bien pris. Comme ça vous repassez un deuxième pont. Magnifique. Le deuxième Caracara, attendez ah le ouais, c'est bien mieux comme ça, oui. Ah ouais, clairement. Alors, du coup, il y a vraiment une petite facture de 600 dollars. Allez-y, allez-y. Voilà pour le on va clean les lieux, puis on vous dit ça. Et voilà pour vous. Super, merci bien, il vous a relevé, cool. Ouais. Tac. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, bon courage. Bon courage à vous, monsieur. Interpret silent and love, a blackened toothy scarlet fog. The walls are black, black butterfly. The other sick breath that behind. And I hear stories from the chain how Christ was born into a manger and like some ragged stranger died upon the cross. Might I say it seems so fitting in his way he was a carpenter by trade. Or at least that's what I'm told. Is evil across his brother's fist. The
That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is a miracle, and the ark of his testament is stowed. Les rumpos, vous allez vous mettre aux extrémités s'il vous plaît. Les deux caras, mettez-vous au milieu et prenez place pour les gens au milieu. Et personne n'a continué grave dans le hélion, s'il vous plaît. C'est qui donne les ordres là? Je reconnais pas. Allez, s'il vous plaît, rapidement. Coloring all that rebel blood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning, in a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I tell the truth. Mettez en place un guetteur dans le niveau du jeu. Quand le guetteur est passé au niveau du sud, on peut pas envoyer la position. Je dis, je veux plus. Il back en place. C'est bon, faut s'éloigner. C'est bon, Gator, t'es en place. Je cours. Gator 2, il est en train de se positionner là, il avance sur le chemin. La musique était trop forte en fait. Dany, opposition est envoyée. Ouais. Parfait, restez tous sur vos gardes. Un peu plus ici là. Manic, là. Une place. Des percmètres. Ouais, putain, salut! Quand même! Ça va ou quoi? Je veux bien croire qu'il fait noir et que je suis bien noir, mais quand même! Ah, il faisait un peu de jus, mais je sais. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça se passe bien, t'as du monde, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah c'est mon petit groupe qui vient habituellement dans les soirées, à chaque fois ils arrivent un peu tôt. Ok, ouais. Ils sont toujours adorables. Ouais, mais c'est cool ça. Ouais, moi je les laisse s'amuser un petit peu, tu vois, tant qu'en plus le concours a pas commencé. Ouais, c'est quoi? Qui se fasse plaisir. C'est à quelle heure le concours? À 22h30. Ah putain, ouais, ok, j'avais 22 en tête. Ouais, ça va. Mais oui, parce que j'avais mis 22, alors que sur la fiche j'avais mis 22h30, donc je suis un peu con. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais fait exprès de décaler l'heure en fait, parce que finalement les gens arrivent toujours un peu plus tard, donc. Ouais, pas de soucis. Là, il devrait y avoir une ou deux personnes qui devraient arriver pour m'aider aussi dans la soirée, mais... Des employés? Ouais, mais pas, okay. C'est pas des employés... Des intérimaires, quoi. Employés, ouais, voilà. Ok. Ils seront là juste pour la soirée, donc... C'est cool si t'arrives à avoir des renforts comme ça. Ouais, enfin, ils devaient arriver à 21h30, donc je leur ai dit non, mais vous pouvez arriver à 21h45 en fait. Et puis après, ils m'ont envoyé un message comme quoi ils avaient eu une emmerde de voiture, je crois, un truc comme ça, et qu'ils attendaient quelqu'un pour les dépanner dans le sud et ils allaient arriver. Ok, d'accord. Mais bon, après, je suis habitué, hein. T'avais l'air speed tout à l'heure quand je t'ai appelé, ouais. Bah ouais, parce que justement, ils venaient de faire une commande et j'étais en train de servir tout le monde, donc avec la musique, les ouais, tu m'étonnes. Et tout ça, c'était compliqué de... On peut fumer dedans. Oui, vous pouvez fumer. Demandez aux gens si vous avez des gens à côté de vous pour éviter de les déranger, mais... Merci. Du coup...
coup, j'ai déjà vu avec Irine, elle m'a filé ses papiers. Ouais. Est-ce que t'as un truc, toi, où tu fais un suivi Ouais, bien sûr, mais là, tu te doutes bien que ce soir, ça va être compliqué de parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais juste pour que je puisse y jeter un œil, voir si ça ressemble ou quoi, si tu pourras me l'envoyer quand t'auras le temps. Ouais, ouais, je te ferai ça dans le week-end. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Mais là, clairement, ce soir, je vais pas... Non, mais clairement. Les autres, ils vont arriver et que je vais devoir leur expliquer comment ça fonctionne pour les recruter et tout ça, ça va être chiant. Ah oui, ouais. C'est pour ça que j'aurais préféré les voir avant. Bah ouais, tu m'étonnes. Je pensais que c'était des intérimaires habitués. Non, du tout. Ok. Bon, au moins, je leur ai dit de faire leur tenue, ils sont censés arriver avec, ça sera déjà ça. Ok. On évitera de perdre du temps à ce niveau-là, mais... Après, ils seront payés au prorata de ce qu'ils auront fait, hein. Ouais, bien sûr. Ça fait plaisir de voir que ça bouge, en tout cas. Et soirées, il y a toujours du monde. Et puis là, alors j'avais fermé mardi et mercredi, ouais. Mais lundi et jeudi, full monde aussi. Hein. Ok, les ok. Gens, les gens commencent à se bouger un petit peu et tout, et puis ça commande bien, c'est agréable. J'ai eu des très bonnes. Des bons retours. Ouais, voilà, des bons retours et puis des bonnes discussions aussi. Donc, ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est nickel. Avoir aussi pour faire tous les papiers, hein. Ouais, mais je sais pas trop comment on va s'organiser. Ouais, on discutera de ça plus tard. Ouais. Ouais. Je sais pas si je viens en gérance bis ici, si ça a vraiment un intérêt ou pas. Je sais pas. Bah, si, ça peut. Si, pour que t'aies accès au. Ouais. Frigo et tout ça, après, ouais, ça peut être pas mal, même pour faire des commandes et tout, pour te décharger un peu. Éventuellement aussi, ouais. Mais ne serait-ce que pour remplir le frigo aussi, tu vois, quand j'ai des commandes et que j'ai besoin de quelqu'un, si t'es là, hop, t'as ouais, que ça au moins. Carrément. C'est plus simple. Je vais essayer d'avoir au moins de temps en temps des dispo en journée pour faire des réassorts ou ce genre de trucs, donc ça peut être pas mal. Ouais, mais en général, moi, c'est ce que je fais. C'est vers 17h, il y a pas mal d'entreprises de bouffe aussi qui sont ouvertes. Ok. Du coup, je passe mes commandes là, et puis comme ça me permet de remplir le frigo sur l'après-midi, et comme ça, je suis tranquille le soir, quoi. Ouais. Il faudra que je me trouve un véhicule avec un peu plus que 40 places dans le coffre. Un bison. C'est très bien. Ouais, je sais, c'est ouais. C'est pas très cher, et ça suffit. Moi, c'est ce que j'ai, et franchement, c'est pas mal. Et après, au pire, si t'es dans la boîte, tu prends un camion du Morito. Ouais, c'est vrai. Mais bon, des fois, c'est chiant pour certains trucs. C'est mieux d'avoir le véhicule à côté. Ouais. Au moins, t'es pas affilié à une boîte, quoi. Ouais, aussi, ouais. Puis comme dit, si je vais à la maison et tout, je préfère éviter de ramener des trucs là-bas. Ça va. Oh, vite fait. Dis-moi. Je vais refaire une annonce. Vas-y. Eh merde. Pourquoi il... Ah, raté. Voilà. C'est rattrapé. Ça c'est chiant. Je finis en bagarre, je finis en bagarre, je t'en lutte. Je vends de la dope, faire couler des lignes, ça me rend bien. Ah monsieur. Ça va et vous? Bah ça va tranquillement. Passez une bonne soirée. Calme-toi, arrête de courir de... Je vais le gifler lui. Arrête de courir de... Tiens-toi par où un peu là. C'est bon, mais c'est là. Salut Ciseaux. Moi j'espère que les gens vont arriver encore en masse, hein, ça serait bien cool. Monsieur, faites votre pub. Mais ah, j'ai déjà fait une fois.
fois, point trop d'info. Eh monsieur, vous êtes exactement le profil que je cherche. Et moi, je prends photo. Fais gaffe à ce qu'il dit ça à chaque fois. Oui. Ok. Parce que je me disais, il cherche des profils un peu bizarres pour ses photos. Ah, boy. Nickel, monsieur. C'est dans la boîte. Ah, bah, nickel. Wouah, la voiture. C'est un peu fort là, non? Un chouïa, ouais. Wouah, comme il est beau votre véhicule, monsieur, je prends photo. Alors. Ah bah, la oh, tu vas détruire la voiture, ça. On est énormément et dehors, c'était, ça faisait un bruit de fou. Alors ah ouais? Là, ça va mieux. Ah non, en vrai, ça va. Ouais, là, ça résonne de ouf dehors, mais en fait, ça va. Mais non, mais en fait, c'est dehors finalement, ça, avec les basses, ça. La vie de ma mère, je suis trop violent. Je crois que je vais faire accouler du sang. Ces mecs là, je suis plein pour des vaillants. Violer et leur turban. Mais je vais tous les violer. Sa mère, je suis trop violent. Ok, ouais. La rue, c'est pas un jeu. J'ai pas fait pour ni salope. Rien que t'es nia, je suis dégueu. Quand tu me vois, tu gagnes en pain. C'est un tueur, le mec. Pourquoi le parapluie? Je vais vous éteindre. Et tu n'es pas là pour craindre. Je suis sur mes roues. Ok. Voilà, ici il pleut. Et ouais, il est où, Red? Attends, je me cache. Chou ton parapluie. Trippy, vas-y. Richie, vas-y. Samir, vas-y. Vas-y, je vais y aller. Là, je sais pas quoi faire. Bientôt l'album. L'album dans les bains. Et si tu veux dire un truc, va en com. Ouais. De ma vie, j'ai jamais écouté ma mère. Ta mère, ouais. Là, je suis défoncé. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais tomber par terre. Gros dédicace à la meuf du Mojito. C'est la meilleure, la meuf du Mojito. On parle pas de vous, madame, vous êtes une femme bien. Vous êtes trop gentil. On vous kiffe, y'a que vous qui nous ici. Faire des filles ici. Et je fais pipi. Et moi aussi, je vous aime bien. C'est Trippy, gros kiki, Nina, dans les bains. Ok, je suis avec mon parapluie. Ce mec là, il sait pas conduire. Tout à l'heure, je me suis fait choper. J'ai pris 9000 balles. Ta amende. Je crois qu'il est pas supporté. Je vais me suicider. Et je commence à être à bout. Je vais craquer. À chaque fois, je me fais choper. Un génie, monsieur.
Oh, les blocs, on bouge tout okay. Ça. Ah ouais? Ok. Vas-y, on bouge. Maintenant, je vais voir la propriétaire. Elle est où? Allez au bar. Toi, t'es next. Il y a un truc qui fait un peu sur le premier. Mais toi, t'es caracara, je te permets de voir. Oh, salut. Les guetteurs, bon, c'est bien planté, on vous récupère après. $100, s'il vous plaît. Il y a un bon qui arrive dans votre direction. Directement. Merci. Bonne soirée à tous, bonne soirée madame la Bonne soirée. Allez, Rompo, tu peux y aller. Bonne soirée, monsieur. Bon, vas-y. Moi, je vais vous prendre deux mojitos. Ouais, deux mojitos. Tu veux boire aussi ou des classiques? Framboise. Ah oui, framboise direct. Ouais, j'ai allez, reste caché dans le buisson. Sortez. Les guetteurs. Bonsoir, vas-y, rentrez. Comprenez pas quoi. Bonsoir. Bonsoir. Guetteur 1 et guetteur 2, faites attention, il y a possiblement la police qui arrive sur zone, donc regardez bien les alentours, mais ne sortez pas de votre cachette. En amont, il y a, sur le côté de la plage, il y a 6-7 policiers sur la côte, et deux véhicules qui viennent de les rejoindre. Il y a des bateaux de sortie ou des hélicoptères? Je vois pas de bateau, je vois pas d'hélicoptère, ils ont mis des véhicules en travers de la route en sable. Mais ils vont tous vers la plage. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ils ont pas l'air de venir vers vous, ils sont juste là à mon avis pour un entraînement, je sais pas quoi. Bon, ouais. Est-ce qu'il y a un caracara qui n'a plus ni thune et qui a deux de place? Quelle est normalement? Daniel est dans l'autre caracara. Je suis tout avec un tout dans le mien. Ok, tu vas faire demi-tour. Ah ouais, Daniel est avec moi. Tu fais demi-tour avec elle. Il est alcoolique, comme alcool basique. Les rumpo et le caracara de Daniel vont vous charger du bien. Vous arrivez au manoir, vous déposez la tuile. Bonsoir. Ils sont actuellement tous en train de remonter dans les véhicules sur le. À droite. Ok, tu me dis si ça vient vers nous ou si ça repart. Les deux rompons, on vous attend et on vous l'envoie jusqu'au manoir. C'est bien pris. Ça marche. Ouais. Je remercie Spec. Ouais, c'est si. Merci. Alors, du coup, on avait dit. Ils sont en train de retourner sur la côte. Une bière. Ouais, c'est ça. Hop. Une bière. Un mojito royal. Allez, vous avez de l'attente, messieurs dames. Tout à l'heure, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Tout à l'heure. C'est ça, Morito Royal. Non, ils vont pas revenir. À base de. On récupère les guetteurs, donc sortez de vos cachettes et attendez sur le whisky. Je vous remercie. Moi, ça va pas être possible. Bonne soirée à vous. Je peux revenir vers le monsieur. Bonsoir. Sans me faire voir, il faut que je rampe. Ben, ça va et vous? Eh bah, attends, reste en standby. Voilà. Bonsoir. Le premier guetteur sort de ta cachette, tu cours au caracara. Black Morito, Morito Royal. Denis, une fois que t'es rentré au manoir, tu échanges le rumpo, tu remets ça dans le caracara et tu vois avec les soins. Non, on est pas fait. C'est celui Kyle ou je retourne? Oui, à l'arrière. Dis-moi, une fois que tu l'as chargé, dis-moi. Ça fera $100. Qui c'est qui paye? Ok. Si vous pouvez. Y a plus ou moins une indication à donner sur les flics. Il a de la barbe. La position que tu veux dire, on peut faire tout ça aussi sur la plage. Hein. À part 2-3 qui sont en des véhicules. Ah, bah, quand tu dis la plage, c'est où? C'est au niveau de. Où il y a écrit Zancudo de Trail? Non. Là où il y a écrit Zancudo de Trail, mais à tout à gauche. Merci à vous. D'accord, enchanté, niveau de Paris, bah, dans Paris même. Ah bah oui, malheureusement. Essaye de revenir. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas très mal.
Écoutez, je viens d'arriver là, j'ai pris la zone il y a pas longtemps. Et il y a la police qui arrive dans votre direction. Joueurs, papa. On va bouger, on va se planquer. Par contre, là, les gars, ils iront se faire foutre, hein, ceux qui devaient m'aider. Hein. Ah bah. Là, c'est bon, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. On peut pas envoyer de message entre temps, quand même. Non. Non, non, non. Tu les connaissais d'où? Ils étaient passés devant, là. Ok, d'accord. C'est des. Tu veux m'expliquer vite fait, comme ça je peux t'aider si tu veux. Le problème c'est qu'il faudrait que je t'embauche. Bah ouais. Ouais, attends. Tu peux pas me mettre quoi? Attends, je déjà hop. Attends, bon, gère l'urgence, on voit. Ah, je suis là. Ah, je te cherchais. Moi j'étais là. Ouais, en fait, il y a des tentes sur la plage et ils sont en train de. Bonsoir. Bonsoir. De notre gueule là, c'est quoi ces filles de merde? Ouais, mais vas-y. J'ai pas envie de faire de blagues. T'allais bien? Oui, ça va, vous? Ouais, ça va. Sacha Ron en service, quoi. C'est pas grave. Putain, nul mes blagues. Mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, c'est juste. Regardez ce qui se passe, hein. J'en ai une. Bah alors, elle est trop cool. On Elle est partout. Bah, vous savez, hein. Vas-y, vas-y. Juste à ma gauche, en fait. J'espère très quoi tenir, hein, parce que là, tu vas rester longtemps. Je crois que je rigole, c'est pas des blagues que les gens ne comprennent pas, alors. Ah ouais, chacun son décalé. Propre humour, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, 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 ouais. Qui c'est qui veut participer là, déjà, ceux qui sont présents? Qui veut alors... Qui veut participer au concours de blagues? Mettez-vous sur la scène, déjà, comme ça, je veux voir qui c'est qui a... Combien il y aura de participants? Bah attends, j'y serai aussi. Bonsoir. Ah non, là, bonsoir. Mais goûtez la noche. Ah bah si vous êtes que deux, ça va être vite vu, hein. Non, mais... Ouais, c'est moi, mais j'ai la flemme. On a gagné quoi? On a gagné un mojito? Madame, si vous allez demander, peut-être... Ouais, un mojito, là. Avec des fajitas. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ça se trouve, c'est ça, le cadeau. Des fajitas et des mojitos. Eh, hey, je suis tout seul là. Eh, hey, je suis tout seul sur la scène. Ah. Pas du tout la jupe là. Ah. Oh, il y a du monde. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose déjà? Un mojito, ouais, moi je veux un mojito moi. Avant que les blagues commencent, je vais faire un le mojito. Moi je bois, ça va quoi? Ouais, ça va tranquillement et vous? Ouais, ouais. Ah, ça te dit un petit truc pour des dames pour la soirée là? Quoi? J'ai ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Ce que tu cherches. Un petit peu de buzz, je suis pas contre. Bah vas-y, vas-y. Attends. T'as combien d'argent? J'ai pas de filet tout mon blé. Ouais, mais. File-moi deux pochons, ça suffira. Vas-y, vas-y, mais c'est un peu payant. Bah bien sûr. C'est combien? Vas-y. 50 le pochon. Ok. Ouais. Vas-y, merci. Nickel, merci. Tu peux payer l'entrée, là? Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Allez-y. Ok, boy. What's up? Amusez-vous bien. What's up, la mort? Yo, man. Bonsoir. Si tu en vois encore, tu m'appelles, boy. Ouais, t'inquiète. Oh, le pote, ça bulle là. Effectivement, il n'a plus de quoi arriver à côté de moi. C'est chiant que tu puisses pas utiliser quoi. Putain de merde. Scandaleux.
qu'il y a les familles, ils ont chopé un wagon, c'est le bras droit. Ils vont essayer de faire un rendez-vous, comme quoi il y a de l'argent à blanchir. Donc faut aller sur la position. Attends, mais tu m'entends bien, Rocco, quand je parle ou quoi? Je connais pas, tu parles pas. Tu mets un pull de la mais ouais, non, mais là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du civil qui peut aller récupérer Non, mais limite, je... Il connaît pas tout le monde. Écoute. Qui peut aller récupérer Isaac? Ouais, c'est quoi l'embrouille là? Faut que tu récupères Isaac. Isaac, il est sur la côte. Côte ouest à côté de la base militaire. Tu dis de m'envoyer une poste, je vais. C'est ok, il y a des flics, ouais, je vais dire ça. Ok, je vais y aller. Ouais, ok, je vais aller faire un tour. Isaac, on prend une position à Way. Sin, je dois bouger, je reviens tout à l'heure. Ok. Tommy, est-ce que t'es là? Thomas. Les gilets pare-balles, vous montez derrière dans les jugulaires, s'il vous plaît. Ok, donc pour information, ils ont bougé de place, ils passent à la nage, mais à mon avis, ils vont de l'autre côté de la rive. Donc si Wayne il vient par le chemin qu'on a pris, faut qu'il fasse attention parce que les flics on continue le chemin par là. La limite c'est pour parler, parce que là nous du coup on va se mettre en rendez-vous. Ensuite. Ouais. Ouais Wayne. Ouais. Dis-moi. Du coup comme je disais, si tu viens par le chemin par lequel on est venu, faut que tu fasses attention parce que la police elle a continué par ce chemin là. Vous êtes arrivé par où? Quand tu vois le chemin qu'on prend pour esquiver la douane, après on descend, on va à gauche, on passe en dessous d'un pont et on va tout le temps tout droit. Attends, je vais regarder sur le GPS. Ah, bordel. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu, voir ce qu'il y a. De toute façon, moi, j'ai rien à me reprocher, donc je peux bien faire ce que je veux. Si j'ai plus le droit de me promener, on va pas me casser les couilles, quoi. Donc, je tourne un peu, et si je vois que je peux te récupérer, tu me verras, je suis avec ma Nightshade, ok? Ok, ouais, ok. Parce que si pas, si t'as rien, tu passes par l'autoroute ouest. Ouais. On a remis des tentes, on arrive. Ouais, je vais faire ça, ouais. De toute façon, ouais, si t'as rien à te reprocher, ça va alors. Ouais, c'est ça. Rien du tout. Ça va, ok, je t'attends. Vas-y. Je peux vous aider, monsieur? Je voulais juste savoir c'était quoi comme voiture que vous avez. Une Nightshade. Nightshade, ok. Ouais. Elle coûte combien, plus ou moins? 44 de tête. Sérieux? Oh putain. Ouais. Après, c'est un peu un veau, hein. Putain, elle est belle, hein, franchement. Mais ouais, moi j'aime bien. Passez une bonne soirée. Merci, pareillement. J'ai même pas mis tac. Voilà. Discret. Hein. Afraid I told lies. Ouais, il trace lui, putain, fils de pute. Ah, ça va. Bordel.
suis en route là, j'arrive. Ça va. Parfait. Bah, je peux aller tout droit là ou t'es pas sûr? Je suis pas sûr, mais bon, le problème c'est que je peux pas passer la douane. Ouais, t'as une ADP. Ouais, mais tu peux, je pense que tu peux aller tout droit en vrai. Ok, ok. Parce que, ouais, regarde, on les voit, je crois, sur la berge là-bas, tout à droite. Je vois. Je vois rien du tout. Mais ils sont juste là, notre droite là. Ils sont là, ouais. Non, mais ils sont au bord de la truc, hein, tu peux passer. Passe. Ah, d'accord, ok. Ok. Il y a personne au véhicule. Je t'avoue que j'étais pas serein. Non, je me doute. Mais tu vois le buisson dans lequel j'étais? Ouais. Ils sont garés juste là. Ah ouais. Ah, ça devait être un bon moment. Ah bah j'ai collé mon front au sol et j'ai prié pour pas qu'il y en ait un qui marche dans le buisson ou qui marche dessus, qui se disent bah c'est qui là. Ouais, tu m'étonnes. Faut te ramener au manoir là. Ouais, du coup ils sont au manoir eux. J'en sais rien, du coup j'ai pas trop suivi. Ouais, bah du coup ramène-moi au manoir de toute façon et ouais, ouais. Ils m'enverront ou ils me diront où aller. Ça se passe comment Wayne et Isaac? Je te laisse répondre. C'est bon, ils m'ont récupéré, on est en train de revenir, remonte en esquive de la plane. C'est pas trop la voiture pour les chemins de terre, mais bon. Ouais, mais bon. J'ai un peu que ça, quoi. Mais il me semble bien qu'il y avait la police qui arrivait, j'entendais plein de klaxons. Plein de klaxons de police. Ah ouais? Et ouais, j'entendais plein de klaxons de police, mais je me dis, tu sais, on a côté de la base militaire. Ah bah. Il y a l'autorisation de le prendre après toi. Moi, j'en achète un autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il t'abandonne là? Bah en fait, comme il y a la police qui est arrivée, comme eux ils sont arrivés, ils sont partis. Ouais. Eux ils sont partis aussi parce qu'ils étaient remplis. Et bah, vu où la police s'est garée, je leur ai dit de pas venir me chercher en fait. Ouais, ok, ok. Venir me chercher. Ouais. Mais s'ils venaient, véhicule comme ça, vitre teintée avec un gars qui sort d'un buisson avec une ADP en main, c'était pas ouf. Non. Ouais, j'avoue que. Je sais pas si t'as un masque là. Ouais, toujours quand même. Mets-le au cas où, parce que comme on esquive la douane, si on nous prend photo. Et du coup, voilà. Du coup, c'était un peu la galère, mais bon. Ok, ok. J'étais pas très loin, j'étais au Morito avec Cinead. Ah oui, c'est à quelle heure le truc de blague? C'est déjà ouvert, non? Ouais, ouais, ça c'était en train de commencer quand je suis parti. Ah merde, ah bah désolé. Non, mais t'inquiète, hein. On se partage comme on peut. Et puis c'est bon, tu peux retirer. Ouais, du coup, ouais, y a pas de douane par là où tu passes? Je crois pas. Non, c'est bon. Non, là, si je vais tout droit, je vais arriver direct
au truc sciateur là, mes couilles. Ah oui, ouais. Ah, le pire, c'est que ça devait même pas être moi en guettage, mais personne ne se bougeait donc j'ai été. C'est insupportable ça. De quoi, le guetteur là? Ouais, quand personne ne se bouge. Mais j'étais en guetteur sur la transaction d'avant aussi, mais bon. Ouais, ouais, c'est ça. Toujours il sent. Hein, ça me plaît pas d'être en guetteur, hein, ça plaît à personne, je pense, mais. C'est ça, bah justement, tu tournes quoi. Voilà. Je vais tout droit. Je préfère passer en centre-ville. Il se passe quoi en fait? J'ai entendu qu'ils ont chopé un Vagos ou je sais pas quoi. Non, les familles ils ont chopé un Vagos. Ouais. Et du coup, je crois qu'ils vont appeler les Italiens pour. Parce que les Vagos travaillent avec les Italiens. D'accord. Je cherche à comprendre pourquoi. Okay. Mais. Ok. Et du coup. Ils vont faire croire que c'est pour un blanchiment. Les Vagos vont faire croire que c'est pour un blanchiment. Ça, c'est le bras droit qu'ils ont chopé. Ok. Et du coup, à mon avis, ils vont tomber sur les Italiens. Pour choper un Italien, ouais, ok, ok. Tu as mis ta ceinture, hein, parce qu'avec moi... Ouais, t'inquiète pas. Je dis ça alors que je l'ai pas mise, moi. Ça va mieux depuis hier, au fait, toi? Ouais, ça va mieux. Je suis passé à l'hôpital, j'ai mis de la crème hier, là, ça va un peu mieux. Okay. J'ai un peu mal au dos... quand je reste longtemps debout, mais ça va. Elle t'a pas raté. Hein. Mais comme je l'ai dit, heureusement, elle roule pas vite parce que ouais. Sinon, j'étais plus là, je crois. Ah non, sur la lune. Non, je pense. Et ouais, en plus, j'ai oublié de vous contacter après pour vous dire que j'étais parti directement. En fait, je pensais l'avoir dit, mais je me suis mal exprimé, mon avis, du coup. Ah ouais, t'inquiète pas. Si Paul sait que tout le monde aille bien. Ouais. Oh putain. Ils sont là. Ils sont là. Nickel. Ouais, voilà. Vas-y. Bah merci, je te laisse. Je t'en prie. Ouais, pas de soucis. Je t'en prie. Salut. Ciao. Chaque fois, j'ai envie d'écrire en même temps, mais non.
Tac. Et on repart. Est-ce que j'irai pas d'abord? Il y a où le commissariat, c'est ça? Yes. Je vais être fermé, non? Bordel niveau casquette là. Mais j'ai pas 10 000 balles en fait. Je peux pas payer la facture. Donc laisse béton. Notez gros gros convoi de police en 5068. Route barrée des deux côtés. Ça va en fait. On a pas de gens dans notre voiture. Non, tu vas pas. Sur le deuxième véhicule. Et que des bons conducteurs, s'il vous plaît. J'ai pas envie de réparer les caisses. Ah non, sans monsieur. Oh, bordel. L'autoroute
vous garder une certaine distance et vous appliquer dans toutes les voies. Jugulant, on a un peu de retard. Ouais, vous descendez aux côtés de l'autoroute, là, comme d'habitude, et on va prendre l'autoroute. Ok, un peu. Et je vais ralentir un peu sur l'autoroute pour vous garder. C'est bon, on a rattrapé le convoi. Il y a les 4 jugulants. Ouais, tu peux y aller. Gardez bien votre distance et appliquez-vous tous les voies. Vous avez suivi les 3e et 4e véhicules? Ah si. Ouais, il fait nuit quoi. C'est de ouf. Merde. Oh putain. Si je crache ça passe, c'est pas un miracle. Ouais. Ouais, boy. Ouais. Tu veux un achat? Tu veux revenir? Non, ça va aller, merci. Alors, du coup, l'éléphant peut avoir une puce, mais pas l'inverse. Boy. Romy. Ouais. Attends, madame. Non, viens, Romy. Je pourrais vous parler? Bah oui, je sais. La famille, elle va bien. Madame, je pourrais vous parler ou pas? Ils n'ont pas entendu la famille. Ils n'ont pas entendu la famille, Wyatt. Ils n'ont pas entendu. Ah ouais. Okay, vous savez pourquoi les Arabes jouent au jeu 1v1? D'accord, on décolle. À quoi? Quoi? Au jeu 1v1, tu sais, genre Tekken et tout. Parce qu'ils sont plusieurs? Ouais. Bah ouais, attends, on va raconter ça là. C'était quoi la chute? J'ai pas compris. Parce qu'ils sont plusieurs. Parce qu'en fait... Parce que l'Arabe, ça se bat jamais tout seul. T'as capté la blague? Ah. Ils se ramènent à 50. Voilà, ils sont tout le temps à plusieurs, c'est con. C'est le quartier, quoi. On risque d'en dire une connue. Pourquoi Harry Potter chuchote? Parce que Dumbledore. Oh. Ah, ça va, elles sont moins méchantes que celles d'avant. Ouais, mais je préférais celles d'avant. J'avoue, Rocco aussi, vas-y. Une petite facile. Vous connaissez l'histoire de la chaise? Elle est pliante. Elle est tellement putain. Longue. Vous êtes trop fort, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Un public trop compétent. Attendez, j'en ai une. Oh, c'est quoi le carburant le plus zen? Oh, mais non, mais je suis con. Mais...
Le carrousel. Wouah, mais clairement. Putain. Et j'arrête. T'as dit la réponse dans ta blague. Mais oui, je suis un enculé. J'en ai une petite gorette. Si je voulais dire détendu, j'ai dit. Ça y est. Détendu. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Qu'elle a pas de bras. Parce qu'elle a pas de bras. Attends. Bon, arrêtez, vas-y, je l'ai. Ah, en vérité, vous avez toutes les blagues du monde. Là, j'en ai pas souvent. Ouais, mais elles sont vieux revues, vos blagues. Par contre, t'as été éclaté cette blague. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Cette blague. C'est l'histoire d'un aveugle. Il rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Bon, elle est connue celle-là aussi. Okay, ouais, okay. C'était. Bah, genre. Surtout raconter ça dans un bar si tu veux. c'est le genre de lieu où on la connaît par cœur, quoi. C'est pas une blague, c'est une histoire, ça. Ah, il avait qu'à ouvrir les yeux, ton aveugle. Ah, mais c'est vrai, il peut pas. Je pourrais parler avec la chemise bleue. Non, ça, non, non. Wesh, non. Bon, du coup, ça, je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. C'est bon, hein. Ouais. Ah, vas-y, mets tout. Mets all eyes on me. J'en ai une petite dégueulasse. Combien de tours fait un bébé dans un micro-ondes avant d'exploser? Oh, c'est déjà dégueulasse. Je sais pas, j'ai du mal à compter quand je me masturbe. Oh, ça doit jouer. Ah ouais. Merde. Franchement, alors jamais qui a gagné. Moi je valide. Moi je valide totalement. Ouais. Alors du coup, bon, comme vous avez été finalement nombreux à participer et en plus à nous faire plein de blagues chacun, donc déjà je vous remercie pour ça, c'était vraiment au top, vous avez été géniaux. Merci. On divise tout en deux. Non, j'ai gagné, ta gueule. Mais toi, t'as raconté 3 blagues et t'as gagné. Mais t'es malade, toi, le truc avec le bébé dans le micro-ondes, ça tente. Non. Alors, vous avez lâché 10 000 blagues, vous avez pas fait rire les gens. Il a lâché 3 blagues. Les trois, c'était incroyable. Moi, j'ai fait rire beaucoup de monde avec les juifs, le Père Noël et tout. Bah. Alors, je vais désigner des gagnants et je vais vous expliquer après. Du coup. Alors, je suis désolé, j'ai pas le nom là. Les deux qui sont habillés en blanc là. Ah, c'est alors si Junior. Allez, venez vers moi. Les deux. Ouais, ouais, tous les deux. Et le jeune homme avec le sweat à capuche noire. C'est mon pote. On a des putains. Et de gosses. Parce qu'il m'a fait rire aussi. L'antisémite gagne. Salut, j'ai des mots. Comment ça va, Justin? Ouais, c'est moi. Parce qu'il avait tellement foiré sa blague que c'en était tellement drôle. Ah, oui. Ah c'est clair. C'est toujours, c'est toujours Justin d'ailleurs. Les prix Toto, on va dire. Je vais rajouter un petit truc. Je vais. Plus la merde. Je vais vous donner 15 000 balles chacun. Tranquillement. Je crois qu'il parle bien. J'ai pas compris. Il y en a qui parlent. C'est quoi ça? Bon bah. 15 000 dollars chacun. Ah ouais, mais j'aurais dû participer. J'ai cru qu'on allait gagner 15 000 balles chacun. Voilà, j'aurais dû participer. 15 000 balles chacun. Et les deux derrière. Paco Lopez. Sur les deux derrière. Okay. Alors, oh, les tapettes. Ceux qui arrêtent, c'est pas dans vraiment pour le compte. Juste comme ça, de ce côté-là. Bah, vous aurez un prix de consolation, vous allez avoir 5 000 dollars chacun. Pour avoir participé. Donc voilà. T'as ton P2. Petit frère qui est participé là. Ok. Et messieurs, dames, après j'arrive pour les boissons. Merci à tout le public aussi. T'inquiète. Un verre après du bain. J'ai reconnu, man. Moi j'ai 3 nous on se barre. Allez, gars, faites croquer les 15 000. Tu fais avec qui Attends. Garde à vue. Ils sont dans une voiture de police. Juste pour vous. Quelle sorte de melon donne du lait? Eh, mais toi, pourquoi tu nous suis en fait? Mais pourquoi vous nous suivez? Mais ça y est, frérot, sors. Ah, y'a que les gagnants qui restent. Ah, ouais. Ouais, ils ont craqué. Yes, oui, voilà. C'est ce que je me doutais. Toujours sur les exilés, du coup. Non, vas-y, répète. Quelle sorte de melon donne du lait? Celui-là de ta mère. Le mamelon. Oh, putain. Ouais. Oula. Okay. Ouais, je me doutais. Neurmel. Moi aussi. Ah, je suis le premier. Genre, dis-moi là. Non, moi, là, ça va. Ah. Ah, sérieux? Attends, moi, ça va pas. Ils aimaient pas pourtant les flics, hein, sur les exilés. Bon, tant mieux, tant que vous vous amusez, c'est le principal. Ah,
T'es le plus grand blagueur éclaté du monde. Camille. Non, mais il est trouvé, qu'est-ce qu'il passe, c'est bon. Je crois que t'as un caillou dans les chaussures. Si tu peux les enlever et les remettre. Non, mais Katayna, ouais, voilà. Ouais, Wesley. Bah oui, c'est Wesley qui met pas les flics. Tu me dis qu'il a reset pour faire un perso flic. Tu peux alors. Ah ouais. Ah, tu vois, c'est. Oui, je. Toi, je te l'ai dit, moi. Ah, c'est pas le bureau ici. Ce qu'on appelle une queue. Non, elle a mis la cape d'Harry Potter. Elle revient, hein. Un petit mal de tête, elle revient. Tout le monde s'en fout, visiblement. Tout le monde s'en fout, visiblement. Ah oui, bah d'accord. Apparemment, il va avoir la musique. Ok. Allez, le bon crash des familles. Ah, c'était son père. Non, enfin, pour avoir discuté un peu HRP. HRP avec lui, il trouvait qu'il y avait trop de win côté BCSO. Alors. Trop de joueurs, on est 400 les gars, forcément que ça crache. Waiting for the game to shut down, ok. Ah non, ça. Bah tant mieux, non mais comme dit, hein. Principal c'est qu'il kiffe. Ouais, mais c'est. Karine, c'est le serveur. Hein. Tout simplement. C'est juste que ça prend son temps. Uber. Voilà. Couille. Bonsoir. On va ressortir tous les camions maintenant. Pff, vas-y, c'est un truc de ouf, frère. Non. Y'a pas un soir où tu peux RP normal, genre. Calme-toi. Kyle, les astres ils étaient là. Mais. Parce qu'avec le PSG, c'est la merde. C'est un truc de dingue. 200, c'est propre. C'est ce que je me demandais justement. Gros, où... Tout le monde, gros, il va devoir se relancer dans les RP. Gros, ça va prendre des heures, mec. C'est ce que je me demandais. Je pensais que restait toujours dans les 80. Donc, ils ont un peu, ils sont un peu calmés sur les bans. Ça fait plaisir. En même temps, en même temps, avec Zerator qui fait du RP et tous les streamers mainstream qui font du RP, ouais. Normal que les free access ils aient accès à du RP. Étant... Ou je sais plus qui m'appelle au téléphone pour me demander où j'étais. J'étais en chemin, j'arrivais pas à répondre radio, ça voulait pas. Je voulais sortir mon téléphone pour répondre au téléphone, pareil, ça voulait pas me sortir le téléphone. Et là, je suis arrivé sur la zone où vous étiez, où j'avais eu la position GPS, et ça a crash. Ça crash. Ah, bah, moi, ouais, j'étais en train d'essayer de payer les gagnants du concours de blagues, là, et j'ai sorti l'argent du coffre, et puis impossible d'ouvrir mon F2, ça a merdé de fou. C'est et puis on. D'un coup, pip. C'est bon. Ouais. Bah, t'aurais dû faire. Ah, c'était une blague, il n'y avait pas de prix. Ouais, super, j'avais des whites. Avec les whites dans le bureau. C'est le serveur que le Bendax. Tu leur dis pas d'argent, c'était une blague, c'est moi qui gagne le concours. Là, quand j'ai crashé, on était encore 300. Voilà, j'avais pas trop envie de me faire 399. Non, en plus, c'était super bien passé. En général, quand on se rapproche des 450, le serveur il kiffe pas, moi. C'est combien le meilleur prix? Oh là là, ok. Comme ils étaient tous bons, là j'ai mon 5M qui est en PLS. J'ai reçu 15 000 balles à chacun pour les 4 premiers et 5 000 balles pour les 2 autres. Alors, je suis à Perpète et je suis en tenue d'OP. Fin de tâche. Ah, ça t'es goûté, toi. Ça t'es bien. Oh là là, la file d'attente. 220. Bon. Bah, ça, je suis 150. Tu l'as pas trop. Ah bah, rip, j'ai pas lancé mon jeu encore. Ah bah, tu vas avec 200. Au moins 255. Moi, je suis un connard, j'ai pas relancé mon jeu aussi. Je vais crash direct. Ah, moi, j'ai relancé cash en fait, j'ai pas attendu. Bah, les couilles. Mais du coup, je vais enlever mes vêtements et je vais courir en caleçon. Yep. Moi, je vais mettre 5 minutes. Épouse. Bon, au moins, ouf que t'as pas la DP dans le dos. Je vais mettre un peu de musique en attendant. Mais bon, je suis en en tenue avec le holster et tout le bordel. Donc, t'as le gilet et tout. Non, le gilet, pareil, faut que je le remette. Oh, ça va alors. Au garage, c'est toujours Anton et Edouard qui gèrent ça.
Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que c'est merdique en fait. De quoi? Parce que, non, parce qu'en tant que taxi. Le serveur là, il a du mal dès que t'as plus de 400 personnes, c'est une horreur. Je crois qu'il a encore du mal maintenant en fait. Je crois qu'il a recraché. Non, bah c'est toujours comme ça. Hein. Bah après, si tu veux jouer à plus de 400, pas de raison faut, soit faut arrêter 5M en fait. Faut passer sur du Alpe V. Bah en vrai, non. Parce que G-Light le fait très bien, mais t'as plus de PNJ, etc. quoi. Ah, mais c'est surtout que depuis le feu là de VH, là, ils ont pas changé la machine, il me semble, non? Non, si, pas ils, sont repassés... ils sont pas repassés, ils sont sur, repassés sur la Game 2. Non, non. Bah, ils devaient, Dewey il l'a annoncé, mais ils l'ont pas encore fait. Ils l'ont pas encore fait, donc forcément, tu... c'est sur les vieilles bécanes, plus l'afflux de gens là, qu'il y a depuis deux semaines. C'est l'effet que ça... TK. L'effet TK plus l'effet RPZ plus mes couilles dans mon froc, tout ça quoi. Ah non, ça, je jure, tes couilles dans ton froc, je te jure, ça fait pas venir les gens. Hein. Merde. No offense, hein, mais. Merde. Ça fait juste plaisir aux femmes qui t'entourent. Montre-les sur ton stream, peut-être que ça fera venir des gens, on ne sait jamais. Allez, Dudu, je te regarde là. Là, tu me vois pas, mais moi je te regarde. Là, je te vois vapoter, Dudu. Là. Dans le doute, je vais pas le faire. Tu sais que Wayne, je sais même plus si il ressemble à quoi un RP. Je suis un connard, voilà, mais j'ai oublié. Bah, c'est pas grave. Non, mais genre, je sais pas, ça m'intrigue maintenant. J'arrive plus à me te restituer dans ma tête en RP. T'as vu le monde qu'il y avait quand même au Morito? Ouais, au Morito, là, c'était un peu ouf, hein. Ouais, ouais. Et puis ça a pas. Enfin, moi j'étais dégoûté. Enfin, j'étais dégoûté, j'ai dû partir, quoi. Mais quand je suis revenu, que j'ai vu tout le monde qui faisait des blagues encore, j'étais content. C'est un peu... Ça a duré un bon moment, ouais, c'était drôle. Bah, ça a commencé quand je suis parti et ça s'est fini quand je suis revenu. J'ai bien pile raté tout le truc. Je suis là où il y avait le leader, mais par contre, c'est-à-dire qu'on a plus TK, il est sur notre serveur, mais je sais pas, il est sur le tien aussi. Ou tu disais il est sur... Je crois que le garage le plus proche, c'est celui qu'il y a au port. Ouais. Non, là, vous allez devoir carotter des voitures. Ah oui, si. Si, si, c'est celui qui est au port, le port à l'entrée du conditionnement d'opium. Ouais. TK, y en a pas de plus près. TK, je le connaissais pas avant que. Bah, je vais aller carotter un bus. Hein. Mais voilà. J'ai découvert cette deux gars quand on m'a dit bah, oh, ils arrivent sur le serveur. 4 jugulars et. Celui qu'il y a par contre qui est bon, c'est Younes. Younes, il fait des bons trucs. C'est tous les propriétaires des voitures qui prennent deux voitures maxi puis qui attendent les autres et puis ils vont les chercher. Et vous aviez de la drogue dedans ou... Non. Ah, ok. Ouais, parce c'est un petit streamer. Il fait 200-300 viewers. Quoi, mais... Si, ils ont ça garde. Ça reste dans le coffre. Ah, d'accord. Mais c'est du bon RP quoi. Pas du RP débilos. Enfin, je dis pas que le RP débilos c'est mauvais, mais. Bref. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre des véhicules volés. Parce que si t'as un crash, tu vas dans le cul. C'est merdique ça. De la main noire. C'est pour ça que comme sur certains serveurs, en tant que flic et tout, ben eux ils ont des véhicules personnels, tu vois. Flic et tout. Genre ils les achètent et tout, et même dans les entreprises, ça serait cool de faire ça. Mais bon, c'est compliqué à mettre en place, surtout qu'il y a des gens qui se permettraient de les. T'as le stream de Batchaka où il doit avoir du monde sur le serveur. 50 Morito dans le camion. Je fais un ticket juste, tu vois, pour le sport, histoire de me faire rembourser. Mais on me demande un screen. Je fais, mais tu crois vraiment que je vais faire un screen de mon camion juste en prévision d'un crash? Je fais, en plus, ça va, c'est 50, quoi. C'est pas comme si j'en demandais 350. Donc, bon, il m'a remboursé, mais sur le principe, ça m'a un peu fait chier. Donc, la prochaine fois, je ferai pas de ticket, tant pis, je perdrai. Non, la prochaine fois, tu fais un ticket, tu sors un screen où il y a des 350 et tu te fais rembourser 350. Il y a qui a spawn là déjà? Moi. Je suis à 200. Je suis à 114. C'est qui là? C'est Isaac qui est là-bas? Non, il y a Johnny, on est quelques-uns, on est 3 ou 4 déjà. Non, mais c'est qui les propriétaires des véhicules? Non, on va aller chercher une jugular. Du coup, on a aussi... Là, dans le groupe, on a... On a Batchaka, on a Raza... Je l'ai gentiment emprunté à un citoyen. On a Varro... Ah merde, je vous donnerai un petit... Je suis passé 200 à 0, voilà. Tu as une jugular aussi, quoi? On a Soie Légère... Bah attends, j'arrive, je suis pas encore là. Ah non, j'ai pas, non. On a t'as quoi comme plein de joueurs avec qui j'avais envie de jouer sur. Ah non, on a rien. Avec qui jouer ou que j'avais envie de jouer sur. Et le Caracara, on l'a plaisir. Plus.
Non, le Caracara, on l'a plus du coup. Et ce qui qu'on a un autre Kyle, il en a un de Caracara. Bah Caracara, faut faire gaffe à celui qu'on prend parce qu'il y en a un, il y a 300 de coke dedans. Hein. Tu les as déjà déplacés dedans? Bah ouais, celui qui est au manoir de... Merde, c'est pas par là. Oh, je crois que c'est celui de Donovan. Ouais, c'est... Hop. Je vais mettre là. Hop là. Je vais aller voir. Stream de Bachaka. Bachaka. Oh, ils sont que 3? Bah, ça m'étonne ça. Ah bah d'accord, il est en pause. Il est en pause. Ok. Eh bien, on va remettre de la musique. Allez. Comme ça, pour attendre. Et là, c'était vraiment trop bien. Vraiment, Jamal, c'était clairement, c'était vraiment mon meilleur perso. On va voir où me mène Wayne. Et bon, c'était mon deuxième perso en même temps. Hein, mais... Non, on mord RP un mec et je fais ça juste après. Pour rester frais. Hein. Tu fais quoi avec Justin? T'es toujours au Non, t'es plus au Burger Shot. Gros dealer de San Andreas. Ok, ok. Je pensais pas que t'étais au Burger Shop encore. Putain, mais c'est... connais lui. Anton qui a m'expliqué que qu'il allait blanchir de la moula en vrac pour les O'Neill. C'est un très très bon serveur, les exilés. C'est le staff qui me gêne. Même pas le... On nous a tellement laissé vivre les trucs qu'on voulait. Tu vois, là, voilà, le... Les boîtes de nuit sont vraiment bien plus stylées.
c'est pas là, c'est tout, j'avais vraiment kiffé. Mais on a vraiment été jetés comme des merdes, quoi. Même pas on nous laisse faire une scène de fin ou quoi, c'est... Allez, bisous, hein. Bisous, c'est fini, les gars. Et surtout, en fait, quand on voit tout ce qu'on a vécu derrière... On garde un poil de... Je garde un poil de rancœur. Et c'était pour... Grâce au swag infini. Le swag infini de ce groupe. Waouh, 50 heures de travail par semaine, je le souhaite à personne. Hein. D'accord qu'on parle pas de RP là. C'est IRL que tu... Oh non putain mon véhicule. Ah putain ça par contre, les véhicules permanents c'était vraiment un grand kiff. Hein. Je... Vraiment, je pense que c'est le plus gros... Il y a deux trucs qui me manquent, c'est les véhicules... Non, ta gueule, toi, ta gueule. Ah. C'est les véhicules permanents et la console de drogue. Les effets différents selon la drogue que tu consommais sur les exilés, c'était stylé. Et c'est deux trucs qui me... Là tout à l'heure il y a un mec que j'ai acheté de la beuh mais c'était vraiment pour le RP quoi parce que je pouvais même pas consommer derrière. Donc j'ai fait genre la fumée puis après je l'ai jeté puisque bah, je l'avais fumé quoi. Apparemment toi tu l'avais prédité alors apparemment c'était pas un prédit. Bah oui, non pas ça. Regarde la musique là, c'est bon, stop. Arrivé. Allez, ah ouais, bah à plus tard. Merci d'être passé. Quel bordel! Bah, c'est quoi son nom? Je peux lui envoyer un mail sinon. J'envoie un mail et sur je lui dis. T'es mis à jour par rapport à ce qu'on a récupéré tout à l'heure ou pas? Ou pas quoi? Ah bah RIP. yes, merci. Bah RIP le RP du coup, parce que la moitié des gens vont pas rester parce que tempête. Il y a une headshot, monsieur. Non, c'est une Ellie. Putain, mais le petit aileron moche là. Ça, c'est ma prochaine voiture quand j'aurai des sous. La Super Diamond. Entre la démarche. Voilà.
et ça roule en blista et je laisse hop, voilà. J'espère, faut se bouger le cul. Attends, justement, je vais. Donc, s'il arrive un peu. Demande... Ah, aussi. Si, il faut demander à tu sais qui. Si, à quelle heure. Parce qu'il me faudra quand même mon... ma petite équipe de vigile. Mais si. Moi, il en veut deux, l'André. Et rendrai surtout au platine. Si, lui, ah, ça, il aime bien ça. Ah, mais lui, il y arrive bien. Lui, je vais lui vraiment. Bah, c'est quoi? Mais quand ça va tourner carré, moi, je vais filer des primes, t'es pas prête. Hein. Hmm? Moi, j'ai filé des primes, t'es pas prête. Hein. Ceux qui vont descendre les boissons en bas dans le bar, ils vont pas toucher, genre, comme un run normal, ils vont toucher un peu plus parce que c'est plus chiant de les descendre. Je suis pas sûr en fait qu'on puisse faire ça. Hein. Déjà, on gagne pas beaucoup de data, on va dire, en plus. Bon, on verra bien. Bah, actuellement, c'est compliqué, hein, je te dis. C'est compliqué. Hein. Avec les livraisons et avec l'exportation, ne t'inquiète pas que tu en fais de la plata et qu'on prend pas, moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Il va regarder, je crois, je vais halluciner. Non, tous les patrons de. Quand ça s'appelle de bar, ils sont tout à fait d'accord. Hein. On gagne. Si tu veux te faire de l'argent, c'est pas le bon métier. Hein. Ah oui, je vois. Ah oui, c'est bon. Wow, madre mia. Ah bah oui. Il manque un zéro là. Bah non. Il manque un zéro ou deux là. C'est pas possible. Et bonsoir. C'est quoi ça? Oh là. Ça va? Ça va et toi? Désolé, j'étais en retard parce que pas mal de choses. Oh, y a pas de souci, on a commencé un peu en retard. Et puis bon, là, je t'avoue que la tempête, c'est un petit peu tout ouais, on était un peu occupé. Ouais. Surtout que je parle beaucoup, mais Catalina veut pas le dire. Comment vas-tu? Ça va. Putain, la tempête, ça m'a un peu niqué le truc là, parce que du coup, il y a deux personnes que j'ai pas réussi à voir pour leur remettre leur prix. Donc, Ah merde. C'est vrai que c'est con. De toute façon, ils se font savoir. Il y en a un qui, ouais, qui est en route. Hein. Là, il est sur la rocade. Qui ça, Lorenzo? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ok. Donc, il arrive sous il peu. Il manque Lorenzo et Carlos. Bah, ça, je sais pas qui c'est. C'est la chemise blanche? Carlos, c'est la chemise blanche, ouais. Lorenzo, c'est celui qui avait le sweat noir, on est d'accord. Écoutez un peu ce qui se passe. Ah. Ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est Amy. Mais c'est Amy. Bien, t'as pas reconnu, Julien? Ah non, parce que de lundi à jeudi, on n'était pas imposable. Qui boit Charo? Demande à Amy si je l'ai déjà Charo une fois. Jamais. Moi, non, je t'ai déjà Charo. C'est toi, tu me cherches, moi. T'as une gueule, lui. Montant de l'attaque. Ah bah. Et ton truc à 6-6, ça se sort d'où? Il doit faire quoi? Si la semaine n'est pas passée, tu sais pas combien de taxes t'auras. Bah, ça se calcule automatiquement sur le tableau, si tu veux, je sais comment. Merci. C'est une ligne qui se calcule automatiquement en fonction des chiffres d'affaires. Donc, si tu rajoutes virtuellement 100 000 $, tu verras que ton montant de la taxe, tu vas augmenter en même temps aussi. Ah, bah non, c'est impossible. Ça. Évidemment, ça s'est mis à la main. Ça. Mais il a parlé avec Catalina plus tard, je comprends pas son truc. Non, c'est elle qui a mis ça à la main. C'est bon. C'est les archives. Mais... Non, c'est une archive. Ouais, tu m'entends, Rocco? Ça sort d'une ouais, Rocco. Parce que de lundi à jeudi, on n'était pas imposable. On est imposable de jeudi à la semaine prochaine. Voilà, c'est une soirée, ça va, on est cool, défendez-vous. Ouais, tout j'ai mal à la tête là. Ah, c'est ça. Mais c'est une alarme, je suis la tête aussi dessus. Mais c'est pas. Ah, ouais. J'ai fait un tableau pour les semaines qui suivent. Il fallait que je fasse une photo. Ouais, mais tranquille, attends, vas-y. On va pas payer. Ah, les managers, ça. Donc, bien sûr qu'on va pas payer, mais à partir, j'ai fait un visage, j'ai le tableau de base. C'est juste que c'est des archives, en fait, tout simplement. Mais ça montre que c'est que tu as économisé un peu plus, mais du coup. Au niveau du prix du bar, c'était pas possible. Quoi? Au niveau du prix au bar, c'est pas. Ben, je crois que ça peut se faire partie pareil, hein. Oui, des non, mais bon, pas grave, moi, il m'en fout. Oui. Non. Comment ça? Il est prêt partout, non, mais c'est pas grave. Mais... Non, mais partout ici, dans cette ville.
Si, ah, j'ai pas dit le contraire, mais le sud de Rose Champagne est très là, c'est pas ça, le Rhum non plus, la bière non plus, le non, non plus. Non, c'est pas le surface, c'est pas le Ah si. Ouais, mais le reste, normalement, c'est tout ça. Tu connais pas tes prix, mais le champagne, tu peux augmenter par rapport aux autres. Ouais, ça fait quoi? Bah, c'est ce que je fais, moi. Ouais. Moi, c'est 50 la spécialité de la maison, et 150 le champagne, et tout le reste, à fond. Voilà. Ah bah j'ai pas dit qu'on rien, mais il y a des entreprises, j'ai vu leurs affiches, ils font 65$ à la bière, 45$ le whisky ou la verre, je sais plus, 75$ le mojito, 85$ autre chose, 115$ en truc. Non. Donc c'est pour ça, mais ouais, les prix, j'aime pas. Je vais te donner ton petit sac. Sur les prix de... Comment dire? J'avais compris Carlos tout à l'heure. De vente. Salut, en fait, Carlos. Merci, merci bien. Qu'est-ce que tu dis, Carlos? Toi, la balcone. Ah ouais, d'accord. On va dire, viens, on va dire, c'est ça. Vas-y, j'en vois. Ah ouais, d'accord. Comme ça, je fais. Voilà. Viens, Daniel, on va à la banque. Donc, oui, c'est bon, reste que sur une. Mais non, mais on peut pas. C'est parfait quand on parle de nous. Et là, c'est bon. Bon, on fait quoi? On bouge ou on reste là? J'ai pas encore. Bon, mais même après, non, c'est pas très grave avec qui, on sait rien, moi. Mais... Ouais, je voulais voir pour le parking VIP ce que je pouvais faire, etc. Et il est encore rien. Je vois pas, il y a quoi de place. Ouais, il y en a trop en vrai. Wow. Parking privé, ils m'en bat les couilles, ils vont se garer ailleurs, hein. Non. Pété. Putain, j'ai pas mis la radio. J'avais pas vu que t'étais là. Je vais rechercher ma bagnole. Visiblement, faut faire le tour. C'est une porte, ça. Yes. Ah, super. Je passe pas, là. Ah, non. Ah, super. Faisons le tour. C'est legit de venir ici, là. On est où, là? Mais quel bordel, par où je passe? Je passe par le pire endroit en fait. J'ai fait tout le tour. Parce qu'en fait l'entrée est peut-être là. Ouais. Ici il y a un ATM. Là faut trouver le garage. Voilà. Hop. Aïe. Ah ouais, on n'aurait plus d'essence.
Allez. Attends, en plus, bordel. C'est bon. Elle a une chino. Oui. Oh putain! Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je suis de repos moi ce soir. Ah, ça va bien! Ça va et toi? Bah, ouais, ça va. Enfin, ça va bien. Ça pourrait mieux aller, mais. Bon. Ouais, je me doute, ouais. Ça va, écoute. Du coup, j'ai dû partir, en vitesse hier soir. Attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé au final? Bah, je me suis fait choper par les Italiens. Attends, viens. Je sais jamais s'il y a personne, s'il y a quelqu'un derrière là. Ouais, c'est vrai. Je me suis fait choper par ces putains de Rital. Ouais. Ils m'ont filmé, je sais rien, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont mis un coup de couteau dans le ventre. Ah ouais, ok. Au calme, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. T'es resté un moment, quand même. Bah ouais. Je suis resté un moment. Ils t'ont... Pas combien de temps, mais un moment. Enfin, nous, on t'a cherché pendant un moment, quand même. Hein. Ah ouais, je m'en doute. Et une MS qui m'a ramassé d'après ce qu'elle m'a dit. Ah mais d'accord. Ils t'ont balancé dans une rue ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas. Elle m'a dit qu'on était dans le sud, vers les entrepôts, là. Elle était venue me chercher là-bas, là. Putain, on est allé voir, en plus. Mais... Et je sais pas exactement où est-ce que j'étais. Faudrait que je lui demande où est-ce que j'étais exactement. Ouais. Parce qu'on est allé faire un tour. Nous, on tournait avec Erin, on est allé... Du côté de l'abattoir et tout, tu vois. Bah c'était dans les alentours. Ouais. Je crois qu'elle m'en avait parlé. C'est aux alentours des 9358, 59, 60, tu vois. Attends, je regarde. Vers la Mination. Ouais, oh putain, carrément. Ouais. Ouais, bah écoute. On a pas dû te rater de beaucoup, alors. Bah ouais, pas de beaucoup, apparemment. Ok. Ah, t'es venu voir s'il y avait du monde? J'ai passé une partie de la soirée ici, en fait. Ah, je suis passé le lieutenant légal, en fait, j'ai pris la place de mon frère. Ah, bah c'est bien ça, félicitations. Donc, ouais, c'est cool, merci. Bah, c'est bien, faut avoir les épaules pour ça, hein, attention. Hein. Bah, on verra. Mais j'en doute pas, de toute façon, j'en doute pas, t'as quelqu'un de sérieux, toi. C'est gentil, mais... Mais c'est du coup, je suis venu voir comment se passait la soirée, mais j'ai dû m'absenter pour aller chercher... Pour aller chercher Isaac, à un moment. Ce qu'il était. Isaac. Ouais, en fait, Tu viens d'arriver là? Tu viens de te réveiller? Non. Ah, ok, parce qu'ils ont fait une opère au moins et Isaac a été laissé sur place parce qu'il y avait des flics de partout. D'accord. Donc, C'était vers où ça? C'était, derrière la base militaire. Sous le pont là, derrière la base militaire. C'était la BCSO? Ouais, je crois que c'était la BCSO, ouais. Ouais, parce que j'en ai croisé dans une boutique de vêtements, ils étaient en tenue de cérémonie là. Ah ouais, non, là ils... Ah, je sais pas. C'est la cérémonie aujourd'hui, tout, les payes, etc. Ok, ouais, non, je pense que là, ils étaient sur la plage en tenue d'entraînement. Je sais pas ce qu'ils foutaient. Ok. J'ai pas trop fait gaffe, je t'avoue, quand on est passé à côté des bagnoles, j'ai tracé. Ouais, je vois, bah, c'est normal, tu m'étonnes. Yep. Bon, ça va, t'es pas trop choqué de me voir en débardeur? Non, tu te fais bien comme tu veux, tant que t'es tranquille. C'est qu'avec les coups de couteau, je préfère avoir quelque chose où je me sens plus à l'aise. Ouais, clairement. Mais viens, si tu veux, on va au bar, je vais te payer un coup. Là, je vérifie que j'ai fermé. C'est bon.
Allez. Je sais pas sur quoi ils sont là, les autres, depuis tout à l'heure. Attends, est-ce que je suis sur la radio, moi? Ouais, il se passe rien, moi, depuis la tempête, là, j'ai rien entendu. D'accord. Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. Ah, on va dire ça, ouais. Ah, mon ami, il s'est fait... Bonsoir. Il s'est pas réveillé, là. Et mieux vent. Ah, putain. Eh bah, tiens. On les a bonsoir. Passés, enfin, on les a croisés au Pop Diner, t'inquiète. Toujours. Elle est adorable. Je l'adore. Mais ils ont l'air très gentils, tous les deux. Ouais. Ouais, mais je m'entends trop bien avec elle, quoi. Oh, Wayne. Ouais. Bisous, vous c'est une soirée blague. Ah ouais, fini. C'est fini. Raconte-moi ta meilleure blague. Allez, raconte-moi ta meilleure blague. Vous voulez boire quelque chose, là, les gars, là, qui vient d'arriver? Ouais, moi, je veux bien un whisky, s'il te plaît. Wayne, ta meilleure blague. Wayne, ta meilleure blague. Attends, mais je m'en rappelle même plus. Ah. Il y avait une... énorme celle-là. Ça ne rappelle plus de sa meilleure blague. C'est vraiment qu'elle était pourrie du coup. Ah oui, si. Merci. Pourquoi les gens ils mangent pas avec ce doigt? Parce que c'est le tien. Voilà. Super. Merci. J'ai un peu niqué ta blague, non? T'as niqué ma blague, mais c'est pas grave. Tant que t'as pas niqué ma mère, on s'entend. Tiens, tu sais quoi, pour la peine, tu payes même la bouteille d'eau de Donovan. Hop! Ouais, si tu veux, y'a pas de soucis, je lui ai dit que je lui payais un verre de toute façon. Oh bordel. Irrécupérable ce gars. Ah, tiens. Putain, faudrait que je mette mon tableau à jour, moi, parce que là j'ai des post-it de partout là, sur le comptoir et. Ouais, et puis après tu me l'enverras comme ça. Hein. Quoi? Je t'enverrai quoi? Mais le tableau. Les post-it? Non, les post-it, je m'en fous. Mais je peux pas l'envoyer comme ça le tableau! Non mais. Tu fais une photo et tu me l'envoies. Mais... non, mais de toute façon, je te mettrai sur l'intranet, l'intranet avec le grade de patron et comme ça, tu auras accès à tout. Donc, Ok, oui. Oh là là, le patron. J'essaierai de pas. Je regarderai juste, je toucherai pas. Il est arrivé avec des bretelles et maintenant le voilà. Au sommet. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je prends mon whisky, moi. Non, laisse la place à ces messieurs, là. On va vous prendre deux bières, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai plus caché, quoi. Bon, comment tu vas? Bah, ça va, tranquillement, et toi? Faut changer de pull. Ça va. Pourquoi j'aurais changé de pull? Je sais pas. C'est une soirée stressante, hier soir, t'as pas transpiré. Stressante de quoi? Ok, d'accord. Est-ce que tu m'as senti stressé hier soir? Non. Moins qu'Edwin. Oui. À la rigueur, quand t'as renversé Isaac, un peu. Mais sinon, ça va. Non, j'étais pas stressé. T'es agacé. Parce que l'autre con, il disait que c'était ma faute, quoi. Quel autre con? Pas Isaac, mais Nolan. Non. Il a même pas... Je sais même pas s'il si avait dû consommer. Il disait, ouais, c'est ta faute, Erin. Non, c'est clairement pas ma faute. S'il se jette sous mes roues, en fait. Au bout d'un moment, je veux bien reconnaître mes torts, mais là, non, ça quoi. Pas, ah, ben, ça va non, être notre faute. Bah, oui. tu traverses pas sans regarder en ah, bah non, en courant, en plus. Tu cries super fort, Erin. Non. C'est parce qu'elle est énervée, ça. On parle de choses fâcheuses. Non, je crie pas. Du coup, sa phrase. 200 dis-moi, est-ce que ça te... Oh putain, mais arrête avec ça. Ça, c'est ta meilleure blague, je suis sûr. Oui. Ok. Tu cries vraiment super fort, Erin. Non. On fait un tour pour voir. Bon, Erin, c'est la dernière fois que je te le dis. On entend un tout dans tout le bar. Et je te jure que je vais t'en mettre une, par contre. Merci. Dis-moi, est-ce que ça t'embête si je consulte Liam pour qu'il m'aiguille un peu sur... Ah non, du tout. Ok. Le Blackwood, mais tu veux qu'il t'aiguille sur quoi? Parce que ça trouve, nous, on peut t'aiguiller. En fait, j'aimerais faire... on m'entend pas dans tout le bar, c'est bon. Je sais pas, je suis à côté de toi. C'est pas faux, t'es à côté de moi. T'as vu, c'est une technique pour le faire partir. T'es sûr que dans les toilettes là-bas, on m'entend pas? Attends. Alors, donc tu disais. Pas, hein, non, je plaisante. Alors. Je. Bah, pas de suite, hein, on va dire.
J'aimerais faire un tableau en fait où j'ai vos CA journaliers. Enfin, en gros, non. Je m'en fous. Je veux pas que vous fassiez un CA journalier. Je veux que tous les soirs, moi, genre, nickel. Je veux que tous les soirs, moi, je rentre dans mon tableau les CA où vous en êtes de votre semaine. Et que moi, ça me sorte le CA journalier que ça a fait. Oula. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué ce que tu demandes en fait. Bah non, c'est une soustraction. Bah non, mais c'est en fait. Ce qui est chiant, c'est que il va falloir qu'on te mette ça à des heures. Non, fixes, en fait. Non, je m'en fous. Moi, non, tous les soirs, à une heure, moi, je regarderai. On n'est pas à 100 000 balles près, visiblement. Les toilettes, tu les as au fond à gauche, au fond à droite. Ce serait pas plus simple qu'on te fasse venir. Parce qu'on est. Liam avait fait un intranet. Ouais. Pour le légal. Ok. Bon, maintenant, il n'y a plus que Cinéa et moi. Ok. Ce serait pas mal déjà qu'il y ait Oliver dessus. Oui, c'est vrai. Ou dessus. Bah ouais, mais je savais pas si on allait continuer à. Ou dessus, en fait, ils voulaient que, qu'on se passe les infos en fait, nécessaires, mais au légal, tu vois. Entre ouais, bien sûr. Les soirées qu'on faisait, la liste des employés de chaque société, etc., pour savoir qui c'est qui a besoin et qui n'a pas besoin. Et dessus, cet intranet, du coup, on pourrait se mettre un salon où il y a marqué, je sais pas, point chiffre, par exemple. Ah, d'accord. Bon, ouais. Ouais. Chiffre journalier et tous les jours, et ben on te mettrait quand nous on s'en va, le CA de la journée. Enfin le chiffre qu'il y a dans le coffre. Je t'écoute, hein, Est-ce que ça tirait comme ça, toi, après de ton côté tu gères ton tableau comme tu en as envie et nous on n'a pas besoin de le gérer ton tableau. Tu vois. Arrête. Vu que c'est que pour toi. Ouais, oui, ça. Enfin, du coup, oui, moi, après, ça m'aide pour faire mon rapport à Tommy. Oui, mais je pense que Tommy, c'est pas vraiment au niveau du chiffre qu'il va vouloir savoir ce qui se passe et au niveau de si on a eu des clients, si ça s'est bien passé, si on a eu des embrouilles avec Pierre-Paul ou Jacques. Ouais, ouais, mais c'est pas mal, du coup, d'avoir un truc où vous pouvez me faire, justement, s'il y a des soucis à remonter, vous pouvez me le faire remonter directement par là. Mais attends, du coup, je vais vous inviter, toi et lui, sur... sur ce channel là, enfin sur ce truc là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Pas le faire aussi. Franchement, ce serait trop cool. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame Seyad. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, je vous envoyais. Je vais prendre un petit mojito, s'il vous plaît, un royal. Un royal, ça marche. Oui. Incroyable, Mehdi. Ouais, vas-y. Mets ma petite sœur. Yes, parfait. Et de bien aussi. S'il vous plaît. Hop, je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Non, s'il vous plaît, le petit mot magique. Putain, c'est pas possible. Pourquoi ? Alors, pour le mojito royal, du coup, ça fera $100, s'il vous plaît. Oui, y'a pas de soucis. Alors, je t'as pas fait gaffe ça. Pour la voiture quand on l'a reprise, je trouve qu'il y a du sable sur les jambes. Hop, ouais. Tenez pour vous. Merci pour vous. Merci. Voilà. La fatigue commence. Merci à vous. Voilà. Ah oui, la facture d'abord. Voilà, tu vois. Voilà, tu gères tout, mais t'es une tueuse. Tu veux prendre ma place et puis je prends la tienne. On a du coup un endroit où on parle de tout et de rien, sur éventuellement des idées qu'on pourrait avoir, etc. Yes. On a un truc où on annonçait les soirées où on a lâché, vu que Liam n'était plus là, il y avait Cinéa des mois, donc on savait pertinemment ce qu'on faisait l'une l'autre, vu qu'on discutait souvent ensemble. Là, éventuellement, on vous le remettra. Nos besoins, si on a besoin, par exemple, quand on avait besoin des bisons ou des trucs comme ça, voilà. Ouais, bien sûr. Le lien des documents, moi je t'ai déjà donné, donc il n'y a pas besoin que je te le remette et je pense que Cinéad va te le filer aussi. Ouais, elle doit me l'envoyer dans le week-end, elle m'a dit. Info, ce serait des trucs, ça sera des choses intéressantes qu'on a appris à droite, à gauche, en écoutant au bar, en écoutant Ouais, ok. Trucs. Là, il faudra qu'on mette une liste de nos employés respectifs. Ok. Vous aussi, vous saurez qui travaille avec nous, enfin toi aussi. Ouais. Jeu casino, ça on va pouvoir l'enlever. Pourquoi ? C'était quoi ? Parce qu'il sert à rien ce salon.
Il sert vraiment à rien. Ok, d'accord. Hop. Hop. Non. Point, et puis le point CA journalier qu'on va remonter en dessous de info. Et puis voilà. Ok. Ouais, moi, du coup, pour Tommy, je pense que je me servirais surtout des salons besoin, info et CA journalier, quoi. C'est ça. Le reste, c'est juste pour te... C'est entre nous, plutôt. Saches, ouais, ouais. C'est pour que tu saches où est-ce qu'on va, dans qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bien sûr, bien sûr. Et ça, éventuellement, ça peut intéresser Tommy, savoir quel genre de soirée on veut ouais. faire, ouais. Etc. Ouais, là, par exemple, ouais, je vais t'annoncer que ça, le Galaxy nous a demandé de nous louer nos services en tant que croupier ouais. Pour animer des soirées au casino pour leur carré VIP. Attends. Relafais-moi sans bégayer parce que là, j'ai pas tard. Le Galaxy, c'est une boîte de nuit. Le Galaxy, c'est une boîte de nuit qui okay. a un carré VIP. D'accord. Ok. Et okay, pour leur carré VIP, ils veulent des employés du casino. Une fois de temps en temps, quand on ouais, a bien sûr. Besoin en vodka, généralement, c'est ce qui a été convenu comme échange entre okay. eux et nous. C'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin de vodka, je les appelle, je leur dis voilà, je vais avoir besoin de vodka. Et ils vont prévoir une soirée. Et pendant cette soirée-là, moi et un de mes croupiers, on va se rendre là-bas. On va faire jouer leurs clients de leur coin VIP. Ok. D'accord. Donc tu payes pas la vodka, ils payent pas le service, c'est un échange de service, quoi. Exactement. Un échange de biens contre un échange de service. Ok. Donc parce ça c'est. On n'a rien à échanger. À chaque fois, on est obligé de payer les sociétés. Bien sûr. Et ça c'est très très bon plan ça. Et c'est eux qui sont venus nous démarcher et qui nous ont demandé ça. J'ai trouvé leur démarche super intéressante. Vraiment. J'en avais parlé à la Chambre des représentants vite fait avec Sœur et Lady. On avait proposé que les entreprises qui n'ont pas la licence de jeu comme le casino puissent faire appel à nos services de croupiers. Pour ouais. pouvoir organiser des soirées juges dans leur établissement. Attends, j'ai un mail, je regarde ça, je t'écoute. Et donc du coup, voilà, je vais peaufiner le contrat ce soir. Et demain ou demain dans la journée, on fera quelque chose de propre comme on avait fait pour Body. Allez, ça c'était gratuit. On va faire quelque chose de carré. Yes, ok. Body c'est demain soir, c'est ça? Body c'est demain soir. Ok, à quelle heure? 22h. Ok. Oui, sur la scène du casino. À partir de 22h, on commence non, sur à le toit terrasse. Les gens, etc. Et le concert commencera vers 22h30, je pense. Histoire que tout le monde se place, que tout le monde s'installe, que tout le monde arrive, etc. D'ailleurs, tu fais ça sur le toit terrasse, comment tu t'organises pour être sûr qu'il n'y ait personne qui traîne en bas? Qui traîne en bas, parce qu'il y aura un vigile en bas. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est... Il y aura un vigile qui va... Ouais, ouais. Et puis bon, on a nos six vigiles à nous. Ouais. Oui, mais c'est vrai que oui. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce soir-là, ouais. y a rien de prévu. C'est tendu. Après 22h. Yep. Ok. Donc, on a toute la famille qui sera sur le qui-vive pour gérer la sécurité toit-terrasse. Ok. Et les vigiles que nous, on a embauchés, d'après ce que j'ai compris, on va les dispatcher sur l'entrée, en bas. Et puis vite fait, 3 éventuellement sur le toit terrasse. Ok. Moi, demain soir, je suis là. Normalement, je suis là toute la soirée. Je pense qu'il faut que j'en parle avec Donovan et Kyle pour savoir exactement comment ils veulent organiser le truc. Que moi, je sache où on va mettre les vigiles qu'on a embauchés. Quoi. Je crois que déjà, ils voulaient placer une équipe en stand-by derrière. Et je sais qu'ils voulaient aussi en mettre sur le toit des hommes à eux. Ouais. Enfin, à nous, quoi. Mais non, pas ouais, je sais pas. Mais oh. Ah, ok. Oh non, pas encore. Tard, non, pas encore. Hein. Non, je pense pas. Non. Non, quoique. Elle est passée où, Sinel? Ouais, si. Ouais, si. Et merde. Ça pue. Ouais, t'as vu mon petit jouet que je me suis acheté? Ton petit jouet que tu t'es acheté? Non. Viens. Avant qu'on tombe. Ben non, elle est là. Mais je suis là. Ouais, non, mais je... On risque de tomber. Oh, au revoir. Quoi? Ah ben... Quoi, au revoir? Ouais, je pense qu'elle va nous quitter. Ah. Fais voir ton petit bijou vite fait, là.
Mais il est là. Oh putain! Je te déteste. Merde. Alors, Rana. Par contre, la couleur, t'es sûr? Oui, la couleur, je suis sûr. Ok, d'accord. Oh, allez, vas-y, tu peux monter dedans. C'est vrai? Bah non, je peux pas. Oh, mais... je venais de lui dire, vas-y, monte, monte. Je lui demandais si elle savait où t'étais. Non, mais monte, fais-moi faire un tour, monte. Ah. Ah. Enfin, sinon, je casse la vitre qu'il y a pas et puis je crochette, là. Hop. Ah. Ah bah ouais, allez. Allez, salut, hein. Ah non, non. Non. Vas-y. Quoi? Non, mais mais non, tu veux pas arrêter de faire ce que tu fais là? Mais je fais rien. Ah bah, je t'assure que tu fais quelque chose chez moi. Monte. Je peux pas monter. Ah putain. Bon bah On verra ça plus tard, t'inquiète. Ouais. Ouais, t'inquiète. Aïe, putain. C'est bon, j'ai fermé. Mais ça, vous allez bien? Ouais, j'ai trébuché. Bah ouais. Elle est pas gentille. Bravo, madame, la voiture. Oui. Elle est trop belle. Merci. Elle est beaucoup trop belle. Elle m'a piqué mon idée. Elle a plus de pognon que moi. Elle est trop belle. Je la veux, quoi. Enfin, j'en veux une pareille. Je peux pas la retourner. Ouais, elle est trop trop belle. Bah, faites attention, en tout cas. Oh oui, vous inquiétez pas. Non, mais par rapport au monsieur, est-ce qu'il est tombé? Oh, mais non, mais c'est drôle de voir tomber. Ah bon? Ah, super, merci. Bon, ben laisse tomber. Ouais. Plus tard. Ouais. Enfin, s'il y a un plus tard, parce qu'apparemment, on savait pas qu'on tombe. Sinéad, elle est tombée. Elle est tombée, ok. Bah, moi, je suis tombé aussi, mais pas pareil, quoi. Putain. Bon, alors, hop. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'allume une clope. T'es sûr? Bah oui. Ok. Pourquoi? Ah, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, explique-moi. J'avais une bouteille à la bouche. Je vais t'expliquer en image si tu veux. Ah oui, bah ça c'est normal. Ah c'est normal, ok. Si c'est normal. Ah, bah allez, je vais tomber, je pense. Ah, bah salut. Plus tard. À la prochaine, bisous. Tu sais, j'ai les poches trouées, je peux plus sortir mon téléphone, donc. Bisous. Hein. C'est imminent. À la chopraine. Ah, attends. Ah non, oula. Ouh, j'ai les poches qui se sont décousues, le téléphone qui fonctionne, attention. Ouais, ça m'a fait pareil avec la voiture. Hein. Ouf. Hein, je te dis, ça veut pas qu'on tombe, nous. Bah écoute, on tombe pas, tant mieux. On est pire que des cafards, on ne les extermine pas comme ça, nous. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a, nous, on est là, nous. Calme-toi. C'est vrai qu'il y a plus grand monde, pour le coup. Donc du coup... T'es pas venu raconter ta blague, quand même. Je suis choqué, déçu, quoi. Ben, j'ai pas eu le temps, hein, parce que regarde... Je suis revenu après la tempête, j'ai repris une supérette qui est pas celle que j'avais. Hein, ah putain, t'as pris quoi du coup? Bah j'ai pris ce qui restait surtout. Ouais, je me doute. Parce que quand je suis arrivé, il en restait que 6. Hein. Oh, non, mais les mecs, tu vois celle de Mirror Park? Ouais, c'est pas celle-là. Il y en a une un petit peu plus bas. Ouais, je vois. Et ben j'ai celle-là. Donc voilà, ça m'a coûté 24 000 balles. Par contre, c'est rigolo parce qu'il y en a une juste à côté de chez nous, personne la veut, quoi. Juste à côté de chez nous? Ouais, à côté du garage. Mais je sais pas où elle est foutue, je l'ai pas trouvée la dernière fois. À côté du garage? Ah! En 7011. Erin? Oui, je suis. Ah oui, d'accord, ok. 7013, 7011. Sur la côte, quoi. Non, j'ai fumé. Ouais. Il n'y en a pas, hein. Attends. C'est quoi ça? La plus proche, elle est en 71-69. Ah non! Non, j'ai mal compris. Non, j'ai mal compris. De quoi? Non. Je, sur mon GPS, je voyais truc.
Un petit icône avec écrit acheter une supérette. Du coup, mais c'est là où tu achètes les supérettes. Meilleur lieutenant légal du monde, c'est moi. Je suis là, je suis présent, je suis au courant de tout ce qu'il faut, c'est parfait. Tu achètes les supérettes. Ouais, ok, ok. Très bien, je croyais que c'était. Je croyais que donc, c'était. Moi, celle que j'ai achetée, elle est en. je crois qu'il n'y a même pas de code postal pour elle. Ouais, par contre, je sais pas si tu parles, Oliver, mais il n'y a pas de son qui sort de ta bouche. T'es à phone là. Il n'y a pas. Oui, mais ça se trouve, c'est nous, on a les oreilles bouchées aussi. Bah ouais, mais. Vu qu'on n'est pas tombé. Ah, ouais, mais nous, on s'entend. Ben oui, mais on n'est pas tombés tous les deux. Tu vois ? Nous entends, Oliver ? Si tu nous entends, lève les bras. Ah ben voilà ! Okay. Donc on déjà, il nous entend. C'est quoi ? Fleur. Ah. T'as dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Ben oui, t'as dit quoi ? Ben oui, t'as dit quoi ? Quoi ? Ben oui, quoi ? Oui, t'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Quoi ? J'adore ça. Ça vraiment, j'adore. Je m'en lasserai jamais, je pense. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on disait ? Quoi ? On a fait. Ben, on disait quoi ? J'ai acheté la supérette. Oui. Après, j'ai eu une livraison de pizza à faire. Donc, j'ai récupéré 300 pizzas. J'en ai posé 100 au manoir, 100 au casino, 100 attends, dans attends. La supérette. Et, c'était quelle heure, ça ? J'en sais rien. Il n'y a pas l'heure sur les messages. C'est vrai que ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Ça doit être des iPhones, ces trucs, parce que c'est vraiment je de la merde. Après, j'ai le gars du Pop Diner qui m'a appelé. Donc, il a fallu aller jusqu'au Pop Diner. J'ai récupéré 300 côtes de bœuf. J'en ai posé 100 au manoir, 100 au casino, 100 à la supérette. Mais quand c'est comme ça, appelle des gens pour t'aider. Ils étaient tous en OP. Mais pas moi. Bah, t'étais là avec Cinéad. J'allais pas laisser Cinéad toute seule. Bah, ouais, c'est ce que j'ai fait pour aller chercher Isaac au final. Bon, à deux, on. Ah, mais vous étiez deux ? Oui, d'accord, avec, ok. Avec ok, ok. Donc, on a fait ça. Après, j'ai reçu un message pour quelqu'un. Donc, on a fait l'entretien avec Oliver, mais la personne, on va pas la prendre. Ok. Et puis, après. Ah, toi, c'est béret ou lunettes, c'est pas les deux, quoi. Après, on est revenu. Apparemment, ouais. Et après, on est venu, voilà. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Et oui, et puis entre les pizzas et le Pop Diner, on a vu le camion du Lounge View, tu sais, les pancakes, qui était en plein milieu du pont à côté du casino. Donc, j'ai appelé le PDG pour lui dire qu'il avait son camion avec plein de pancakes dedans. Ah ouais, t'es rigolo, parce que moi, je l'aurais vidé le camion. Ben oui, mais je veux me mettre bien avec les gars en entreprise. Ouais. Oui, alors que moi, je les connais alors, pas. Non, mais... contre, grosse ouais, connasse. Si t'es pas contente, on va te régler, hein. Ouais, vas-y, appelle les. Vas-y. S'il y a que ça, je te fais fondre le gras que t'as trop au cul. Hein. Tu vas courir, hein, moi j'aime autant te le dire. Elle a pas l'air plus impressionné que ça, bizarrement. Ah oh. Ah, ben. Bon, ben voilà. Elle avait qu'à pas me filer son Covid. Elle m'a éternué dessus. Ah, ouais, mais pour le coup, Peut-être appeler une ambulance, non ? Faire. Ça va, elle va juste sonner. Elle a pas l'air de se relever plus que ça. Mais elle va se relever. D'accord. Et donc, pendant qu'on faisait ça, donc j'appelle. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bon, moi je vais me faire foutre. Oui, j'avoue. Clairement. Alors... Mais, bah, de dos après, j'avoue. T'es... Non, je déconne. Ah oui, oui, c'est vrai que de dos, je ressemble vachement à un bonhomme. Hein. C'est là. Pas ou quoi de lui dire ça, Wayne ? Ouais, je déconne, c'est bon, donc, déjà, après, elle me déteste déjà de toute façon. Après, du coup, pendant qu'on attendait le gars pour. Mais. Les gens, ils sont pas bons. Oui, oui. Ah, tu la reconnais comme ça, toi ? Mais je la reconnais, ma soeur, parmi mille. Et du coup, pendant qu'on attendait. Ouais, elle a vachement changé quand même. Pendant qu'on attendait le gars du lounge, il y a deux gars qui se sont plantés avec leur bagnole au niveau du pont. Donc, j'ai appelé les ambulances. Il y a des flics qui sont passés. Ils me font Madame, vous n'avez pas l'impression que le véhicule blanc, il est au milieu de la route ? Je fais Vous n'avez pas l'impression qu'il vient d'avoir un accident ? Là, il me fait, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, j'appelle les secours. Il me fait, c'est pas les secours qu'il faut appeler, c'est une dépanneuse. Je sais, mais vous êtes sérieux ? Il y a des gars qui sont dedans, quoi. Tada ! Les flics.
dans cette ville, bah, c'est vraiment pas le... Ils ont moins de sang de cuir. Hein. Il y avait un sacré trou, hein. On est même pas tombé nous quand même. Mais... J'avoue, mais... avec, avec Wayne, on n'est pas tombé. Eh ben c'est bien. On vous a tous vu chuter les uns après les autres. Ah ouais, même moi dans les chiottes. Non. Ouais. On était juste derrière la porte et on a entendu pouf. Et on s'est dit que c'était trop gros pour être juste un caca, donc on s'est su que c'était toi. Oh, c'est rien. Tu sais comme la petite vidéo où on te demande le bruit que fait une naine quand elle tombe dans l'eau. Putain, il me bute, j'adore son rire. Par contre, Erin. C'est moi. La dame, elle est toujours allongée là-bas. Oui, mais elle fait dodo, je te dis. D'accord, ok. Elle avait qu'à pas m'éternuer dessus avec son Covid. De quoi ? Là-bas, là ? Non, derrière. Là-bas, là-bas. Oh, bah laisse-la, elle doit taper un somme. Ouais, ouais, ouais. Elle a gros tapé un somme, même. Bah, ça va, c'est pas ma faute si elle, si elle tient pas l'alcool, cette dame-là. Elle est sortie du morito, elle marchait pas droit, elle nous a poussés. Je lui ai dit que j'allais pouvoir lui faire fondre son gras du cul si elle continuait. Et tu lui as mis un coup de derrière dans la boxe. Elle m'a éternué dessus, je lui ai mis une patate et elle dort maintenant. Voilà. C'est pas violent, Erin, quand même. Non, à peine. Mais elle fait dodo. Oui, oui. À peine. Je t'appellerai pour mes insomnies. D'accord. Non, c'est bizarre dit comme ça. Je t'appellerai pas. Tu veux que je te tape ? Je sais pas. Je sais pas qui me sort. J'ai un doute. Oliver. J'ai peur d'aimer ça. Échange de place avec moi. Non. Je voulais pas t'embêter pendant ta clope. Bon, il est pas rassuré, Wayne. Ouais. Tu vois, Wayne. De quoi ? Ben, tiens. Bah, tiens. Merci. Non, ça, c'est trop vrai. Bon, en tout cas, avec toutes ces histoires de tempête, c'est quand même tombé pile à, on va dire, à la fin de la soirée, donc c'est pas tant plus mal. Hein. Du coup, c'était qui le gagnant ? Tout le monde. Ouais, voilà, tout le monde. C'est un peu, c'est l'école des fans, quoi, tu vois. Mais à vrai dire, il y a eu des bonnes blagues. Il y a eu des bonnes. À vrai dire, j'avais pas pris le temps de noter. Attends, c'était quoi la dernière là ? Prénom, donc, La dernière était très très bien. Oula. Mais. Ok. Ça va t'es derrière t'es pas là. C'est quoi une usine en Chine ? Une école ? Une école ? Ouais. Mais c'était pas ça, putain, c'était quoi ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Combien... perdu de nos balles. C'était combien fait... combien fait de tours un bébé dans un micro-ondes avant d'exploser ? Je sais pas, j'étais trop occupé à me branler, c'est ça ? Putain, putain. Oh, mais Erin, ils l'ont raconté trois fois ah bon à l'ouverture de la fondation. Ah d'accord, ok. Bon ouais, ok, mais j'étais pas à l'ouverture de la... Putain, mais j'arrive pas. J'y étais presque pas, ouais. Je m'énerve, là, avec t'as déjà mangé en Somalie Ben... non plus. Ah oui. non, il y avait eu le coup du grain de riz dans un lavabo aussi. Est-ce qu'ils ont fait le coup du bébé dans la poubelle? Non. Oh putain, j'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller. Par contre, j'en ai eu une putain de bonne que j'avais jamais entendue et pourtant je suis calé en blague sur les juifs. Mais. Quel est le. Alors, il a dit ça le dieu des juifs, mais bon, on va dire quel est. Ouais. L'ange gardien comme... Ouais, non, enfin le dieu des juifs, quoi. La personne qui vénère le plus. Je sais pas. Le Père Noël, parce que c'est le seul qui arrive à sortir entier de la cheminée. Oh, oh ouais, oh putain. Oh la... Entendu, oh la violence! Oh la violence! Le mec, première blague de la soirée, je mets ça, mais j'en peux plus, le mec! Ah, je te jure, il a planté ça, la première blague de la soirée, c'était ça, chez. Ouais, ouais! Il annonce la couleur, le gars! Ah, ouais, ouais, c'était bon ça! Non, mais j'en ai une bonne sur les juifs aussi! Attends, pourquoi il n'y a plus Donovan? Il est parti mourir à l'intérieur. Ouais, ah d'accord, ok. C'est trois amis juifs qui se sont pas vus depuis très 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 longtemps. Et
Et il y en a un des trois qui vient de gagner au loto et qui du coup leur fait visiter sa grande villa, etc. Donc il fait tout visiter, l'entrée spacieuse avec des gros lustres, etc. Et il leur dit, mais je vais quand même vous montrer le clou de la maison, mais vous risquez d'être un petit peu choqués par ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Les gars ils font, mais pourquoi vous allez comprendre. Donc il les amène dans une petite maison à l'extérieur, une sorte de petite dépendance. Et quand il ouvre la porte, à l'intérieur, il y a une statue d'Hitler. Et, okay. Et là, les autres, ils font « Non, mais t'es fou d'avoir mis ça. Tu te rends pas compte de tout ce qui nous a fait subir, à nous, à notre peuple. Nanani, tu peux pas faire ça. » Et puis là, le gars, il remonte sa manche et il fait « Vous croyez que c'est grâce à qui que j'ai gagné au loto ?» Oui. Et les numéros... Moi, tu m'as perdu, moi, en fait. C'est avec les petits numéros. Il a joué des numéros de son... Oh putain, ouais non, elle était beaucoup trop fine pour moi en fait. Super longue. Elle est trop longue. Ah mais moi je préfère quand c'est plus court et plus épais. Bref. Ouais, moi ça... Les goûts de chacun. Je suis emmerdé, moi c'est court et fin. T'es sûr que t'as pas des racines asiatiques toi? Ah non. Quoi, mais niquez-vous! Ouais, bah, enfin, toi, tu vas pas me niquer. Bah, du coup, non! Bah, non, c'est vite, fait, vite fait, quoi! Vite fait qui sort! Oh putain! C'était une bonne soirée. J'ai fait moins de chiffres que d'habitude en soi, mais comme j'ai couru un peu partout, au final. Et vu que vous avez rigolé aussi, ça fait passer oui, la soirée. Oui, voilà. Puis tout le monde a consommé quand même, donc ça c'est bien. Cool. Parce que la dernière fois, j'avais fait des putains de chiffres, mais parce qu'il y avait des gens qui avaient consommé, mais abusé. Moi, au final, j'ai rejoint la Brime. Elle a rejoint le Black Moon. Ouais. On ne le savait pas en fait, parce qu'on se parlait plus trop. Faut partir, madame. Voilà. Ah, il a pas décidé à partir non plus. Ah si, c'est... Oh, vous. Ah, juste avant que moi j'ouvre, en fait. Ah putain, mais ils en ont rien à foutre, les gens, quoi. De 20h30 à 22h, un truc comme ça, ou 21h à 22h, ils ont dit. Ok, attends, il y a Kai qui m'appelle. Allô ? Bonsoir, Kai. De qui ? Oui. Je t'envoie ça. De rien. Oh bah tiens, profitez pour te filer les... Enfin... Ouais, si, je peux toujours te mettre comme ça sur l'intranet et puis on verra demain, je suppose qu'il y aura une réunion pour savoir si tu passes copatron ou pas, du coup. Ouais, je sais pas comment on va s'organiser. Ouais. Bon, il n'y a pas de raison qu'il passe pas copatron alors que l'IM était le PDG, hein. Il n'y a vraiment aucune raison. Bah, je les ai invités, Oliver et... Et Wayne sur le truc que Liam avait fait pour nous. Ouais, j'ai vu, ouais. Et j'ai créé une nouvelle section pour parce que vu que apparemment Tommy veut un rapport quasi journalier sur les activités du casino et du Morito, où tous les jours quand toi tu t'en vas, tu marques vite fait à combien t'en es au niveau de ton CA. Et après, tous les jours. Ouais, mais combien t'es au niveau du CA, tu vois, sur ta tablette F5. Ouais. Tu perds ça, non. Et puis après, lui, il se fait... Sur la tablette, c'est pas le CA qui est sur la tablette. Oui, c'est le chiffre que tu as en coffre. Monsieur Dame, bon coffre. Bonsoir. 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 C'est ouvert ? Oui. Ah. Venez, on va rentrer, ça fera moins vite. C'est bien passé la soirée ? Oui, Désolé, hein, du coup, on avait des ah, c'est quand même. Non.
Il est passé une tempête aussi entre temps. Non, non, il a dû tomber dans le trou encore. Ça a réussi à. Van. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. T'as, t'as mis du pchit là? Non, quoi? T'as mis du pchit? Comment ça, du pchit? J'ai juste pissé. Ah bon, ouais, bah, putain, l'odeur. Mais t'es rentré, Erin ou... Ah non? T'as bouffé, ah, des, t'as bouffé des asperges, t'as non? D'accord. T'as bouffé des asperges, non? Non, non, j'ai juste pris mon temps. Je regardais des trucs sur le téléphone aussi. Non, mais c'est par rapport à l'odeur que je dis ça. Oh putain, mais j'ai pissé, je te dis, bordel. Bah, justement, ça fouette. Mais les asperges, ça, fait... ça donne une odeur au pipi. D'accord. Faut expliquer ça, putain, j'en ai marre. Et vu que j'ai bu que de l'eau, je pense pas qu'il y ait de l'odeur. C'est bien. Sûr qu'ils ont pas touché la vessie hier soir? Non. Ok. Ça va. Encore heureux. Elle est où, Cinead? Elle sert des clients. Elle sert des clients. Ah d'accord, elle sert des clients. Elle sert des... Quoi? Vous êtes sûr? Elle sert des quoi? Eh ouais, t'as dit quoi? Non mais l'autre, il a dit quoi? Mais non, c'est toi qui as dit quoi? Putain. Eh, je vous aime. Ah, c'est bon. 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 Meilleure mutation de ma carrière, je crois, de venir ici. Moi aussi, ça me fait du bien un peu de décompresser. Ouais, surtout que ils ont l'air bien compressés, on les entend pas. C'est clair. Non, moi ça... Ok, silence radio. Bah ouais, grave. Ça en est presque inquiétant. Voilà. J'ai mis un petit message. Ah non, mais Kayla. J'allais dire Daniel. Pour Dany. Pour qu'il me donne 8000 dollars. Pourquoi 8000 dollars? Ah, pour, les, pour tes trucs là que t'as acheté. Ouais. Alors on a encore mis 100 pizzas et 100 côtes de bœuf. Du coup, tu fais. Non, non, retombe pas, retombe pas. Tu fais plus avec les. Avec ton entreprise? Ben si. Si, toujours. Mais il faut bien qu'il me rembourse quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pensais que c'était toi qui t'occupais des achats, mais que tu le faisais plus pour le compte de l'entreprise. Ben, en fait, quand j'achète pour l'entreprise, j'en achète 200 pour l'entreprise, j'en garde 100 pour l'entreprise et 100 qui vont au manoir. Ok, ok. Juste, je connais pas les soucis avec le fisc, comme tu disais, quand on parlait l'autre soir. Clairement, les 100 par semaine de chaque entreprise, ça suffit largement au casino. Bah oui. Et t'as réussi à avoir ta supérette en fait? C'est pas la même que j'ai. Non. Bah si, quand je suis arrivé, il en restait 6. Non merde. Et c'est laquelle là que t'as? J'ai celle qui est un petit peu plus bas que celle de Mirror Park. Celle qui est sur la grande avenue, là, c'est ça? Ouais. Celle où il n'y a pas de code postal. Question con, ça serait pas intéressant d'avoir des kits de repas à foutre dans les supérettes? Ouais, bah... mais ça coûte trop cher à l'achat de base. Ah ouais, si, putain, il peut pas nous faire des prix. Oui, oui, il peut pas nous faire des prix dans l'entreprise. À l'achat, ça coûte 600 balles. Hein, Je sais qu'apparemment, ils font des tarifs pour les entreprises. Bah ouais. Mais... Parce que là, vu comment t'es placé, justement, t'es proche des quartiers du Sud, à mon avis, tu les vends. Hein. Ouais, je pense aussi, mais après, faut voir combien ils me les font au tarif entreprise, quoi. Tu veux que j'appelle Monsieur Wells, voir si... Je vais aller le voir. Ok. Ou un de ses employés, c'est un de ses employés est capable de me répondre, quand même. Tarif entreprise, je sais pas. C'est pas un truc... Ouais, non, je dis rien. Alors, ils doivent connaître s'ils sont chefs d'atelier ou un truc du genre. Bah, puis, au pire, je peux demander au Bénis aussi. Hein. Ouais, ouais. Je m'entends très bien avec un des. Après, remarque que Dany le sait peut-être, hein, lui qui bosse là-bas. Et puis, je m'entends très bien avec le gars qui est juste en dessous du patron. Ok, d'accord. Monsieur Barbosa. Barbosa. Ouais. Okay. Je suis connu comme le loup blanc, hein, de toute façon, au Bénis. Hein, quand j'arrive, cet après-midi, par exemple, on est arrivé, j'ai fait réparer mon véhicule.
Et je veux juste vérifier, tu vois, qu'il m'a bien réparé le véhicule parce qu'il venait de taper un autre véhicule en plus en se garant. Donc, ah, d'accord. Vérifie, tu vois qu'il y a pas de dégâts, tu vois. Ah, ouais. Et le gars, il commence à me voir monter dans mon véhicule et puis il me fait oui, mais madame, il va falloir penser à payer la facture. Et puis là, t'as les deux autres garagistes qui étaient autour et qui font non, mais c'est Erin, tu crains rien. bonjour. Il y en a un, c'est un des Bloods qu'on avait rencontré, tu sais, sur le chantier d'Arel. Ah, lui, il est arrivé une fois en peignoir claquette chaussette en faisant une réparation Bluetooth sur le parking. C'était énorme. Et l'autre, c'est un violet, mais lui, je connais pas son nom, mais il sait qui je suis. Il m'appelle Erin, il me voit, il m'appelle Erin. À chaque fois que j'arrive, c'est il te faut quelque chose. Enfin, il vous faut quelque chose, Erin. Non, ça va. Merci. Donc, je pense que j'irai plus demander aux parce qu'au Fly, je les connais pas plus que ça, quoi. Okay. Ils ont dit quoi, la radio, là ? Mais j'entends que Kyle, c'est bizarre. J'ai pas été sur la radio de la soirée. Je crois qu'ils allaient au manoir, là, je vais y aller, là, tiens. Comme ça, je vais les rejoindre. Il pense si l'arcade était ouverte ce soir. Ah, là, ils parlent de l'arcade. Ouais. Négatif. C'est ouvert, un tour devant, non ? Ouais, on sait pas. Aucune idée. Non, il a répondu négatif à la question. Ah oui, c'était négatif, ils savaient pas quoi. Moi je vous dis à tout à l'heure. Je pense. Ouais, ok. À tout à l'heure. T'as dormi au moins. Ah, mais du coup, tu veux tester mon bébé ? Ah, bah oui. On parle bien de ta voiture là. Bah oui, parce que j'ai pas de bébé. Ah, ouais, bah je sais pas. Désolé, Oliver. Ah, attends. Ouais, j'imagine bien. Malheureusement, j'ai un gros gros. Non, mais vas-y. Mais t'arrives toujours pas ? Non, mais vas-y, monte-toi. Oh, mais. C'est une blague, cette voiture. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, mais. Tu conduis. Monte chauffeur. Putain, c'est serré. Monte chauffeur. Oh le. Ok. je vais la casser. Attends, Putain, mais on est collés là, c'est quoi cette histoire ? Bah, c'est une petite voiture. Ah, c'est une petite voiture quand même. Elle est rétro. Du coup. Fais le tour de Paletto, tourne à gauche là. Elle est cool, hein ? Ouais, elle est trop bien. Ça monte à combien ? Je l'ai poussé jusqu'à 160 sur l'autoroute. C'est pas mal. En sachant qu'elle est à zéro perf. Hein. Le ouais, bien truc sûr. que j'ai fait, c'est la faire abaisser un petit peu au niveau des suspensions. Parce qu'elle était trop haute. D'accord. Et tu as payé combien du coup ? Normalement, elle est à 209 000. Et vu que c'est ma copine qui me l'a vendu, elle m'a fait une ristourne de 10 000. Bah je t'appellerai. Je t'appellerai quand je voudrais m'acheter une voiture. Par contre, elle crache pas. Y a pas de feu. Elle crache pas du feu un peu. Mais parce que j'ai pas fait la transmission, j'ai rien fait en fait. Ok. Mais non, mais sur. Sur ma. C'était quoi la voiture là qu'on a fait, la Glendale ? J'avais pas fait la transmission, mais ça crachait du feu. T'as pas changé les pots quoi. C'est les pots d'origine. J'ai pas changé les pots non plus. Okay. Parce qu'ils sont, il est moche le pot de. Ah ouais, celui pour. En fait, le pot de que quand tu changes, tu vois la partie qui est toute percée. Ouais. Ben c'est ça sur tout le long. Comment ça, c'est ça sur tout le long ? Mais ah t'as oui. T'as la partie avec les petits trous et t'as la partie sans les trous. Attends, mais pourquoi il y a un cactus au milieu de la route ? Je sais pas. Et t'as la partie sans les trous. Oui. Et la partie sans les trous, ça devient une partie avec trous et aussi large. Et je trouve pas ça beau. D'accord, ok. Je comprends. C'est pas très joli. C'est là ? Oui, c'est là. Oui, c'est là. Mais je pense que c'est surtout la transmis qui fera ça. C'est ta voiture, ça ? Oui, c'est vrai, tu as changé la couleur, quoi. J'ai changé les pneus aussi.
Allez, j'ai changé les jantes. Ma bête. J'ai les jantes. Joli choix. Elles sont trop belles, je trouve, avec le véhicule. Elles sont trop belles, ces jantes. Et ben celui-là qui m'a fait le custom, il m'a dit qu'en plus, ces jantes, il n'y avait personne qui les prenait. Les gens n'ont pas de goût, de toute façon. C'est bien connu, ici. Et il m'a dit qu'elles étaient très, très jolies et qu'elles allaient très bien avec le véhicule, aussi. Ok, ok. C'est une gueule, Donovan. C'est Donovan. J'ai fait teinter le petit pare-brise, non, aussi, pour qu'on puisse voir le pare-brise, parce qu'il est tout minuscule. Donc il est teinté pour qu'on le voit un peu mieux. Ok, ok. Oui, ouais, c'est vrai qu'il est minuscule, ouais. Et puis j'ai changé le capot aussi devant, j'ai enlevé la prise d'air qu'il y avait sur le devant. D'accord. Parce que j'aime pas trop avec la prise d'air. Je suis jaloux. Mais tu peux pas changer l'arceau derrière. C'est le seul truc qui est moche. Bah ouais, mais tu peux pas le changer. Ok. Tu peux pas mettre les mêmes arceaux qu'il y a sur la photo du site du concessionnaire. La publicité mensongère, hein, remboursement. Ouais, c'est ce que je vais leur dire. J'irais bien voir du côté de l'arcade si c'est ouvert quand même. Pour le coup. Mais voilà, je sais ce que je voulais comme voiture. C'est quoi ? La Casco. Oula, c'est où ça ? Sportif classique. Ouais, c'est joli. Putain, elle est chère. Mais putain, elle est chère sa mère même. De toute façon, toutes les voitures. Ouais, c'est ça ou la GT500, c'est encore pire. 10 millions. Ah ouais, un petit million. Un petit million. Même la Z-Type, elle coûte moins cher. Ouais, par contre, elle est vraiment moche. Oh, la Z-Type, elle est très moche. Hein. Ça, c'est un truc que t'as. Ça, c'est un truc que t'as tiré à la chatterie, quoi. Ça a la forme d'une bite, hein. C'est pas faux. Ben, son bite. Ouais, ouais, après, ouais, c'est vrai que. La Z-Type, elle a la forme d'une bite. Je suis désolé. Bah non, pas du tout. Elle a une forme très phallique, hein. Je suis désolé. C'est pas hein. Parce qu'il y a quelque chose de long et fin que c'est forcément une bite. Mais quand tu. Non, mais. La forme de la voiture, je suis désolé. Si, clairement que non, si. En non, plus, non. Avec la séparation des fenêtres, c'est ça fait séparation de boules. Mais bien sûr que si, elle est 100% phallique. Hein. On va l'acheter, on la peindra en marron et on mettra la calandre en rose et ça sera parfait. Voilà. Et on te l'offrira. Ah bah alors là, vous pouvez aller vous niquer tous autant que vous êtes, j'en veux pas de cette bagnole de merde. Putain, quelle violence. Je la trouve moche, j'ai le droit quand même. C'est quand même dingue. Ah mais non, on le sait. Type, elle est vilaine. Elle a rien de classe. Elle est over moche, quoi. Faudrait me payer pour acheter ça, quoi. Du coup, c'est pas rentable comme OP. S'il faut te payer pour que toi tu l'achètes, t'en acheter directement. Ah ouais, et puis tu me payes pas que 275 000 hein, pour que je l'achète. Hein, Et en plus, tu roulerais même pas avec. Bah, ça va pas, non ? Oh, cette honte. Isaac, t'en es où ? Ouais, Isaac, t'en es où ? Ok, Isaac, oh. Par contre, j'ai pas compris la réponse. Il a dit, j'arrive. Non, il va voir. Ça, c'est par contre, c'est l'angoisse. Hein, quand t'es ici et que t'écoutes ce qui se passe dans le sud. J'ai bien envie de voir si l'arcade est ouverte. Eh ben, tu veux qu'on y aille ? Eh ben. Je vais aller voir. Je vais juste te dire, je vais envoyer un message à Cinéad pour lui dire que je file. Mais c'est sa bagnole ? Oui, c'est sa bagnole, il la repeinte. Je m'incruste avec toi. Ah oui. T'as dit quoi ? Non, je dis je m'incruste avec Erin. Ah, ouais, t'as dit quoi ? Non, t'as dit... Il va me pourrir ma blague préférée, j'hallucine. Putain, premier coup. Je lui ai dit qu'on filait. Bonsoir. Bonne soirée. Comment
Comme ça, c'est très bien parce que comme ça, je pourrais aller dormir au. Dormir au manoir. J'avais complètement la flemme de conduire. Oui, est-ce que t'es... On va l'attendre, il fait son plein là où j'ai explosé la dernière fois. Ah, ici? Ouais. Triste? Ah oui, très triste. Juste parce que j'ai fait tomber le baril jaune, hein, s'il te plaît. Hein. Ah oui. Et bien, la musique vachement fort. Oui, et après, moi, il dit que je parle fort, hein. Mais il entend la radio avec ça? Je laisse pas. C'est bien, c'est discret. C'est... Un petit drapeau irlandais sur l'antenne et c'est bon quoi. Oh là là, oh, il va se faire défoncer. Genre, à part la musique d'Oliver, j'entends rien. Hein. La musique d'Oliver, je l'entends presque pas. Oh putain, mais moi je dois vraiment avoir un problème. Putain, j'ai regardé dans la rétro, j'ai levé la tête, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. Hein. Ah bah du coup... Ok. Si hein. Non mais du coup, il a dû la couper, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ça c'est quand même vachement fort. Ils sont où? Je sais pas. Pour avoir la SHP. Ouais, faut que j'aille au commissariat pour une putain de. Toi tu voulais aider toi. Il y a une voiture noire SC1 avec une bande Italia au milieu qui est passée en direction du manoir. C'est potentiellement un que j'ai fait au garage. Essaye de suivre. C'est sûr que c'est pas une vision. Monsieur? Bonjour. 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 Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ah bah j'ai appelé le mécano, la voiture a fait ploc 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 et plus rien quoi. Ah. D'accord, et le mécano il arrive ou pas? Ouais, il arrive, mais ça fait 3 heures quoi. Ah. Je sais pas, il a du mal avec son GPS, je pense. Ah. Il arrive sûr ou. Bah, il m'a dit qu'il est arrivé quoi. J'ai eu le message, il m'a dit qu'il arrive. Hein. D'accord. D'accord. Bon, Dani, si vous tapez, vous prévenez. Oh bah non, ça aurait été une panne d'essence, j'aurais pu vous aider, mais là. Je sais pas. Ouais, malheureusement, là on peut rien y faire. Bah, attendez, je vais regarder, vous me permettez? Ouais, vas-y. Elle part en 7033. Direction quartier rouge. Ah, c'est une panne d'essence, attends. Ah, c'est une panne d'essence? Ah, bah cool. Je vais te remettre le plein. Enfin, peut-être pas le plein, ça va dépendre de. Mais au moins de quoi aller jusqu'au garage? Ça tourne vers. Bah, il y a une station juste à côté, ouais. Ouais, sinon, il y a aussi un garage un petit peu plus loin là. Ah, oui, le flywheel, c'est comme ça vous pourrez faire réparer tous vos feux et vos fenêtres. Vision, c'est, ouais, c'est pas une vision et elle est vers le bâtiment de la cité. Merci, monsieur. Avec et ben, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Putain, mais que des bonnes actions aujourd'hui. Ah, il a perdu son capot. Ouais, parce qu'il a pas refermé. Ouais. L'erreur bête.
Bah, je vais mettre ma ceinture. Le garage, il est pas loin. Oui, mets ta ceinture. Ah oui. Parce qu'avec Oliver devant... Continue à remonter le boulevard Del Perro en direction de la banque suivante. Je suis à 152, je sais pas combien il est. Hein. Oh quoi Peux t'as pas vu l'écart qu'il vient de faire? Non. Pourquoi okay. C'est bagnole là ouais. C'est des Yakuza. C'est quoi toutes ces bagnoles? T'arrêtes pas, y'a plein de gens dedans. Bah oui, c'est ce que je viens de voir. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ici? Sûrement les douaniers. J'en sais rien. Il est vers 71-86. Putain, on a perdu Oliver du coup. Oh bah il a tracé parce qu'il a pas retenu la réunion d'hier. La réunion d'hier. Fou, on n'a pas le droit de se déplacer ah oui. Tout seul. C'était le, c'était quoi? C'était la réunion après que Donovan. Ouais. Ok, où j'étais pas quoi. Manque d'une secrétaire, enfin d'un ou d'une secrétaire pour le compte rendu. Ah. Oui, j'ai eu un petit mal de crâne. Oui. Toujours ici. Ah ouais, d'accord. Ouais, depuis que la SHP est passée ici. D'accord, ok. J'ai toujours mal au crâne quand je redescends. Pas quand je monte, mais quand je redescends. Ah, ok, d'accord. Donc on veut aller voir l'arcade. Donc on sort ici. Oh, j'aurais peut-être pu sortir après. Ouais, je serais sorti après, ça aurait été je t'ai mis le un point. Peu plus court. Ah non, après je sais y aller. Hein. Je sais même pas si c'est ça le point d'ailleurs. Si, c'est ça. Elle a l'air de bien tenir la route en plus, hein. Ça va. Elle dérape pas trop. Ok, on est suivi, on est devant l'arcade, on est suivi par trois véhicules. Oh. Bordel de merde. Ok, équipe Butcher, on arrive. Essayez de vous diriger. Détendez-vous, on est à côté. Edwin, okay, il est tellement tendu quand ça arrive. On va tourner en attendant une position. Très bien, vous allez revenir vers Mirror Park, vers le chantier en construction. Ils sont tendus de ouf quand ça arrive, enfin surtout Edwin. Ils ont arrêté de suivre, ils ont l'air d'avoir fait demi-tour. Il y a une patrouille de police qui va dans leur direction. Et c'était quoi les véhicules qui vous suivaient? Une Italia et un Dubsta et une Muscle que j'ai pas pu identifier. Hop. Ouais, bah en même temps, c'est lui qui roule à contresens encore. Hein. J'avoue. Ça va 5 minutes. Pourquoi ça me klaxonne? Quoi qui te klaxonne? Ah, c'est Oliver. Bon, bah, apparemment, l'arcade s'est fermée. Ouais, mais il y a quand même du monde devant. Ouais, mais justement, on va pas y traîner trop. Non. Au pire, on rentre à la maison. Oula. Attends, tu veux pas t'arrêter? Ah non, mais non, j'ai pas 10 000 balles. Non, vas-y, c'est bon. Tu voulais t'arrêter pour faire quoi? Pour avoir mon extrait de casier judiciaire. Ah. Mais ça, faut que tu vois avec madame et monsieur qui c'est te déjà... donnent l'argent. Ah oui, d'accord. Je croyais pour avoir l'autorisation, mais... Bah, en même temps, vu que t'as pas de boulot à côté et vu qu'il y a pas de paye en ce moment. Ouais. Il y a des gens sur le tour. Hein.
États-Unis, vous en êtes où? On s'est extrait de là et ils nous ont lâché au bout de 100 ou 200 mètres. Ok, nous on est sur le pont, là, juste à côté de l'arcade. Est-ce que tu veux qu'on retourne sur notre point initial ou est-ce qu'on revient dans ce secteur? Je pense que on va devoir se braquer. Équipe Butcher, on est revenu en ville au cas où. Hein. C'est quoi leur plan? C'est d'essayer de choper un Italien là? Oui. Ok. Ça a pas, non? Oliver, il s'énerve. Ok à tous, vous allez aller proche de Mirror Park, il y a un grand pont qui survole l'arcade, vous allez vous poser dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de fond devant l'arcade et on va essayer d'attirer certaines personnes. Et après ça, si non, les poissons morts dans l'hameçon, mais qu'ils fassent gaffe parce qu'il y avait des gars en blanc à côté. Faudrait peut-être leur dire. Vous ferez gaffe parce qu'ils traînaient avec des... On est passé devant, ils traînaient avec des gars en blanc, les gars devant l'arcade. Et en moto. Et des motos derrière nous. Voilà. Kai. Demande de confirmation au niveau de San Andreas Avenue, c'est ça, le pont? C'est ça, ouais. Non, on va bouger. On est repéré par des motos. On est repéré par des mecs en blanc. Voilà. Ok, c'est bien pris. Ils ont fait appel à leurs petits hommes de main pour leur prêter main forte. Ils sont pas capables de faire du 1 contre 1. On va remonter proche du parking central. Ne dis pas qu'il y a encore un problème à l'école. Ok, actuellement on est au niveau du skatepark, on attend. Il y a des soucis à l'école. Bah, vu que c'est un endroit interdit. Ouais. La police y est très souvent. D'accord. Bah, visiblement, si. Voilà. On va remonter au niveau du pitbox, on va prendre l'autoroute de nouveau. Ah oui, ok. On est devant le pitbox, on attend. Ça, c'est y a des gars qui sont dedans et qui font des appels police. Ah oui, ouais. Tu fais demi-tour comme un sac à merde là comme ça. C'est moi. Je les préviens, tu penses, pour l'école? Je leur dire d'éviter de passer devant. Éventuellement. À noter qu'il y a beaucoup de monde devant l'école derrière le manoir si jamais vous rentrez. La police, quoi. La police. Putain, Donovan, ah, il a rose. Bébé, il roule bien. Oui, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. C'est blanc, quoi. Faites attention au retour et patrouillez les speedy maisons en tête. Bon, je vais voir les stocks. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter tous les jours les stocks. Ah, c'est une bonne idée ça. Parce que. Voir à quelle vitesse ça descend. Oui, et. Leur mettre leur nez dans leur caca. Éventuellement qui il y a une voiture qui va sortir de derrière là, les ruelles. Parce que. Ça va 5 minutes. Mais. Ceux qui bossent à côté, ils n'ont pas à se servir dans le coffre ici. Ouais. Ceux qui n'ont pas de salaire, je veux bien. Auto derrière nous. Qui tapent dedans à longueur de temps, mais ceux qui ont pas ceux qui ont un travail à côté, ils vont s'acheter à bouffer. Oui. Sortez. On les entend jusqu'ici, bordel. On est la dernière voiture et la moto est derrière.
Alors, la bouffe. On a 80 pancakes. Si vous voulez le contourner, il est au niveau du pont par lequel on vient de passer. On a 161 côtes de bœuf. Ah, on a vu. On a 169 pizzas. Je te dicte, 39 sandwichs. Il fait demi-tour, il est en train de repartir vers l'arcade. 10 bières, après ça tu t'en fous, non, l'alcool. Non, il revient vers nous. Et il y a okay. Base, c'est pas ça qui va les aider à... 20 il y a encore 20. 20 pancakes. Ouais. Pourquoi ça les a séparés en deux? Ah là c'est des menus et là c'est juste des pancakes. Ok, ils nous prennent en chasse, on va vers Vinewood. Comment tu peux avoir que des pancakes et pas des menus? On est derrière eux. Bizarre. Ouais. Donc là, quand même de quoi tenir pendant un bon moment normalement. Ouais, deux, trois jours quoi. Un petit peu plus quand même. Hein. Je déconne. À base de 10 menus par personne. Attends, faut que je compte qui c'est qui travaille et qui travaille pas. Attends. Ben reste pas avec moi surtout. Par contre, si tu veux aller autour de la piscine, je vais mettre mon maillot, hein, je reste pas en costard. Attends. À tous, on va aller sur le pont, on était tout à l'heure. Je vais leur balancer 2-3 molotovs dans la gueule, comment il vient de me parler, ce connard d'Albertino. Ah, on a ah ça Tommy part en couille. Qui bosse pas. On a Tommy, on a. On a Enora. Voiture 1, vous êtes toujours suivi ou c'est lâché? Kyle. Danny boss. Donovan boss. Edwin boss. Nous trois, enfin, Cinéad et Rin, on bosse. Oliver, il bosse. Jaden, il bosse. Leroy, il bosse. Nolan, il bosse. Wayne, pour le moment, tu bosses pas, donc je te considère comme quelqu'un sans emploi. Pas du glas, non. Abby bosse. Albert, un gros problème pour la deuxième. Il a aucun revenu. Cole. On se rassemble au niveau de Mirror Park. Alors, Cole, il bosse. Declan, il bosse. Jake, il bosse. Kaylan, ils me disent qu'il est au casino, mais je l'ai jamais vu travailler. Il a même pas de contrat. La voiture est d'accord. Donc Kaylan. C'est pas de mon ressort, c'était pas de moi. On a eu une grosse. Ok. Shame si boss, Trevis si boss pas. Je suis au niveau de la supérette à Mirror. Ok. Adam, il bosse pas. On a une place dans chaque véhicule. Ava Clark, je sais pas qui c'est, on l'a jamais vu. Voiture 1, ok, on en a une. C'est ça. Ava Clark. On récupère au niveau de la supérette. Jake Murphy, je l'ai jamais vu. On est devant le LTD Mira. Mais reviens, ils arrivent. Oh, le Jubilar. Ok, donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui bossent pas, donc ça fait 90 menus par jour. Ouais, 10 menus par jour par personne. Ah, il y a des grosses journées quand même. Oui, et en sachant que dans tous ces dans tout ce lot-là, il y a Albert qui vient pas tous les jours. Il y a Kaylan qui est pas là forcément toute la journée non plus. Enora et Arthur qui sont pas là forcément tous les jours. Tommy, pareil. Bon, Enora et Arthur, ils sont quand même là. C'est... Oui, mais ils sont là, mais je pense pas qu'ils tapent plus que ça dans le. Non, par contre, peut-être pas. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. Je mets 90 en me disant 10 menus par personne. Manoir, non, ah, mais non, trop tard. On va faire tourner la paire et on prend. Donc, mettez vite l'essence là et rejoignez. Donc, on avait 80. On a fait le plan, on arrive.
Voiture 1, on est en train de faire le plein. Voiture 1, on redécolle. On en a pour quasiment 5 jours. Si on en fait 3, ça sera beau. S'il n'y a que ceux qui ouais. qui bossent pas, qui tapent dedans. Mais je t'annonce que c'est pas le cas. Oui, ben moi je vais calculer que c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. Ceux qui bossent, au pire, 4 jours je veux bien, mais 3 jours non. Normalement, il y en a pour 4 jours. Parce que j'estime que ceux qui se servent dans le coffre, c'est ceux qui vont sur les missions. Et sur les missions, t'en as besoin de 5, t'en as pas besoin de 10. Hein. 5, c'est largement suffisant pour tenir la soirée. Bah, on est d'accord. En étant en mission, de 21h30 à minuit, voire des fois 1h du matin. Et avec 5, tu tiens large. Tu prends des bouteilles d'eau à côté, hein, forcément. Hein, faut pas prendre que les menus, faut prendre les bouteilles d'eau à côté. Ouais, ouais. Parce que si tu prends un menu juste parce que tu as soif, prends des bouteilles d'eau. Hein. Dans 4 jours, je repasse. Et si dans 4 jours, c'est les stocks comme je l'estime, c'est cool. Dans 3 jours, déjà, je regarderai. Et si dans 3 jours, par contre, ça commence déjà à être la bérésina, ils commenceront à aller se faire foutre. Hein. Gentiment. Ça, on va en parler à la prochaine réunion aussi. Hein. Parce qu'on n'est pas des vaches à lait avec Cinéad. Hein. Mais tu vois, je vais me changer. Pourquoi j'entends pas? Non, c'est bon. Excuse. Non, t'inquiète. J'ai piqué ta veste. Ouais. Salut, mec. Salut. Ça va? Non. Non, ok. On vient encore de jeter un caillou dans la mare. Ah. Du coup, y en a marre? Ouais, je commence à en avoir marre, là. Ces connards de Rital qui se planquent comme des petites salopes. Et qui appellent leur petit garde du corps les White. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Ouais, on a une mafia sur le dos. Est-ce que vous pouvez les taper avec vos petits 9mm, s'il vous plaît? Tommy? Hmm? Vous avez jeté un cocktail Molotov sur leur voiture? Non, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. On a encore eu un temps de retard. Ça commence à me gonfler. Ça avait pas l'air trop bon la soirée, du coup. Ouais. Commando, quoi. Ouais, l'Avenger.
Et Avenger, bordel. Soir. Soir. Salut. Ça va, les gars? Ça va et toi? Ouais, nous, ça va. Ça va, hein. Voilà. On a tout vu ce soir. Hein. Mais vraiment tout. Hein. Au manoir. On aura tout vu ce soir. Et où, Tomia? En bas, il est parti se changer, je crois. Pour papa. T'aimes bien ou pas? Eh, franchement, avec le fusil à pompe. C'est pas seulement un fusil à pompe, c'est le fusil à pompe. C'est le fusil à pompe à canon scié. Franchement, bah bien, tu ressembles à une milice, à toi tout seul. Ouais, bah la milice, elle vient de se casser la gueule de la voiture. C'est bon ? À 20 km/h, j'ai rien compris, je me suis fait éjecter par la portière. Triste. La tristesse. Ouais, bah, cela dit, j'ai trébuché sur une portière à l'arrêt tout à l'heure, donc c'est encore plus triste. Ouais, ça compte aussi. Ah ouais. Ouais. Bon, je vous le dis, les Italiens sont des petites putes. Bah, c'est pas nouveau ça. Ce que Tony a dit. Ouais, va te changer, tu seras mieux, tu seras plus à l'aise. Bon, enfin là, si je tombe dans un lac, je suis sûr de flotter au moins. Non. Il paraît qu'on flotte tous en bas en même temps, donc. Ouais, au bout de quelques jours, quoi, quand il y a de l'air dans tes poumons. Enfin. Ouais. J'ai pas compris. Moi non plus. Il a dit quoi? Non, c'est toi qui as dit quoi? Ah non, c'est mon père, il a dit quoi? Non, ton père, il a pas dit quoi? Il a dit quelque chose, mais il a pas dit quoi? Bah attends, s'il a dit quelque chose, c'est qui a dit quoi? Ah, c'est toi qui as dit quoi? Non, c'est toi qui as dit quoi? Non, moi je te dis que t'as dit quoi? Bah non, toi tu m'as dit que mon père m'a dit quelque chose. Et, moi, après, et toi t'as dit... Ce que t'as dit? Non, t'as dit quoi? Non. Si. Voilà, finesse. Sinon, ouais. T'as dit un truc, Jack? J'allais dire un truc, j'allais vous demander comment s'est passé votre soirée. Ça va. Tu fais quoi de beau? Concours de blagues. Concours de blagues? Ouais, au Morito, il y avait concours de blagues. J'aurais dû appeler les Italiens, putain. Non, mais après, on veut des blagues drôles, ils sont pas drôles. Ouais, bah, ils sont bien drôles d'envoyer les white pour nous pister, quoi. Ah oui, c'est des blagues, mais c'est des blagues pas drôles. Attends, t'as dit quoi? Non, mais en gros. Non, c'est toi qui as dit quoi? Tout. Hein? Ah non, lui, il a dit quelque chose, et moi, j'ai dit quelque chose. Tu vas pousser la blague trop loin. Moi je suis là pour foutre l'extrême. Ah ok, ok. C'est pas bon les extrêmes. J'ai envie de fumer là. De quoi? J'ai envie de fumer. Bah fume. Va te changer déjà, tu seras peut-être plus à l'aise. Non, mais on reste en stand-by pour le moment. Ah bon, d'accord. Bah je sais pas, Kyle il a pas l'air super en stand-by quoi. Ça veut pas dire être armé comme un mastodonte mon garçon, enlève au moins ton gilet pare-balles quoi. Si tu veux, je te l'écrache. Non, allez, c'est j'ai déjà galéré à l'enfiler. Bon, okay. Ouais, bah je vais t'aider à le remettre, c'est pas grave. Hop. Merci. Et voilà, tu vois. Bon. Je sais pas moi ce qui va se passer encore, mais Tommy il a l'air chaud pour rester toute la nuit et il est traqué pendant toute la nuit. Hein. Ok. Attends. Où il va ton tronc? Attends. Bon, ça va, je ça peux... va. Il y a un mystère qui rôde là. C'est quoi toi Rien off radio. Autour de qui de moi? Un truc ou t'as dit quoi? Bonne soirée à toi. Moi j'ai dit un truc. Ah, et voilà. Et toi, t'as dit quoi? C'est lui qui a dit quoi? D'accord. Mais non, c'est moi qui a dit quoi vu que mon père a dit quelque chose. Et ensuite t'as dit c'est mon père qui a dit quelque chose. Du coup après moi j'ai dit. C'est ça, moi j'ai juste dit un truc. Et toi t'as dit quoi? C'est bien pris. Non, j'ai pas dit quoi. Bien sûr que si, t'as dit quoi? Mais bien sûr que non, j'ai pas dit quoi. Voilà. Désespérant mon pauvre Kane. C'est vrai que bon, là c'est usant. Faut... Non, mais tranquille. J'ai hésité à me retourner sur le convoi là qui me suivait. Rester, vous êtes beaux là les deux. Puis en conduisant, si personne me donne les positions, bah je sais pas. Tu vois. On peut se mettre en civil là. Je peux pas savoir si personne m'indique sur le GPS. Ça me merde. Pourquoi t'as pas trouvé que l'école était. Si, l'école était bon. Kai, tu veux t'arrêter là? Bah, franchement, je vais pas suivre toute la nuit. Ça, moi, je vais suivre toute la nuit. Moi. Ouais, bah. Ça va être sans moi. Ouais, ceux qui doivent aller se coucher, les se coucher, ceux qui veulent. Après, ce serait pas mal qu'à 21h il y ait un peu plus de monde, quoi. Parce que bon, les soirs, on a dû galérer à le faire tout seul aussi. On était moins d'une dizaine. Et au final, on commençait à traquer du italien vers 22, quoi. Donc, soyez là un peu plus tôt, quand même. Il a raison. Ce serait plus simple de traquer du italien en début de soirée qu'en fin de soirée. Clairement. Parce qu'en plus, les familles disent, ils nous ont mis un lapin là, je vais m'énerver demain. Il n'y a plus aucun qui répond, ça se trouve, ils ont les soucis avec la justice. Ouais, ce soir, je sais pas ce qu'ils ont. Mais... Non, pas dit, du tout. Il m'a dit, je te rappelle dans 2 minutes. Bagnoles de families, Ah bah, il m'a dit, je te rappelle dans 2 minutes. Ces 2 minutes sont transformées en 1 heure. Kai.
Oui. Je vais pas finir le pour les soirs, ce soir. On fera demain. Okay. Ouais, là c'est trop tard. C'était quoi les soirs? Bah, il y avait les flics qui sont venus pour faire trempette, quoi. Je te jure. Du coup, on a dû se barrer et manquer 300 grammes à leur filer. Donc demain, okay, on file ça. On récupère notre cam des Families, la taxe, là. Et il a fait encore une commande d'armes, je crois, Dany. Oubliez pas la sécurisation du casino demain soir. Ouais, ouais, bah, putain. Oh là là, même pas les chaussons. Oh, demain, c'est mort. Ouais. Bah, ce sera, ah, demain, on y est tous au casino en plus. Hein. Demain, c'est quelle heure demain, casino? Entre nos pattes, ils vont c'est pas 22h 22. Ouais. Ok. Ouais, on a une heure pour tout faire. Ouais. Il faut qu'on commence tôt. Et bah, tu, Dany, tu. Il reste quoi à faire pour les SOA là? 300, mais une équipe de 3, ça suffit pour. Non, mais on va faire ça maintenant en fait. On y va. Appelle-les, on va leur amener. S'ils répondent. On va rester comme ça, je vous le dis direct. Comme ça, on sait jamais. Je vais appeler leur chef. Donc, le chef, tu peux toujours attendre pour qu'il te réponde. Hein. Ah ouais, tu peux utiliser un téléphone. Appelle Murphy. Ouais, appelle. Murphy répond tout le temps. Appelle tout le monde. Tu verras bien. On va leur ramener le caracara devant chez eux. Ils vont décharger. Enfin, bref. Moi, je vous dis bonne nuit, les gars. Ouais, pareil. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Kai. Bonne nuit, Kai. Ah, j'espère qu'il fera de beaux rêves. Réponds pas. Moi non plus. Et leur, son bras droit, là, Murphy, non? Secrétaire, il répond pas non plus. J'ai vu, il se prend un morito il y a 30 minutes. J'ai une valise. Oh putain, il y a, y a Blanchir qui arrive. Allez, Blanchir, vous voulez faire ça? De quoi, Oliver? Merde. Ouais, c'était tenu comme ça. Je disais, il y avait des SK. C'est Donovan en peignoir. T'es con. Désolé, je sors de la douche. Elle est partie, la femme de ménage, arrête! Nolan? Ouais. Ok. Tes gars sont super fragiles, les vitres. Quelle vitre? Celle-là. Chez vous, sans radio, bonsoir. Tu peux passer à travers. Faire super gaffe. Ah non. Je t'ai dit, il faut faire gaffe. Et je... Putain, c'est à l'heure, j'arrive. C'est vrai, c'est... Tu sais, il y a des portes pour sortir. Hein. Ouais, quel... Putain, quel noob. T'es beau.
pas, t'es là, là. Elle est passée où, Irine? J'en ai aucune idée. Parce qu'elle était là, puis... Et puis elle a disparu. Il y a toujours sa voiture ou pas? Je sais pas. Si elle a plus sa voiture, c'est qu'elle est partie sans le dire. Aïe. Et moi, je vais pas tarder de toute façon. Toujours sa voiture. Bah ouais. Bon, allez, moi, je vais me pioter. Bonne nuit. Bonne nuit, Wayne. Wayne off radio, bon courage tout le monde. Bonne nuit, Wayne. Bonne nuit, Wayne. Bonne nuit, Wayne. Pour information, avec les jugulars, on va les garer dans la cour intérieure de l'hippodrome. Y'a Oliver qui te cherchait. Un truc. Oliver, va en éclaireur sur le casino. C'est ce que j'étais parti faire. Nickel, nickel. Ah, en vrai, c'est pas ouf. Patrouille des Speedy, direction Valmont Boulevard. Donc on roule correctement. J'ai plus la patrouille en visuel. On a fait le tour. Okay. Allez, et bien, bonne nuit.